Hier soir à 8h, l'événement passé, immédiatement nous prenons la rue, même pas capable de voir ampleur des gars. Et je suis seulement dirigé pour l'auditorium de l'auditorium à terre plate. Et il est arrivé immédiatement, donc nous avons fait contact avec le monde de la pouvoir central là, qui était parce que la première stratégie, puisque c'était que le monde était dit qu'il était en balle, c'était ouais, comment nous étions capables d'arriver extrêmement ça. Et heureusement, c'est pas de grand monde, c'est un seul monde seulement qui mourit, qui est en balle. Et nous, avant matériel venir, nous avons utilisé moyen panneau pour nous extraire mon nom. Et finalement, nous venons joindre toute qualité matérielle qui permet que nous lever tout débris. Donc nous faisons une nuit là entière. Nous commençons à 10h30, nous finissons matin à 6h. Et depuis 6h à tout, je m'a fait un tour d'horizon dans toute ville là, parce que pas seulement ville là qui touchait. Il y a une 8e section, Ravine Gomon qui touchait. Hier soir, tout le monde était dans la rue, il était parce que caillou endommagé. Dans la 4e section, même l'église catholique là, à terre plate. Donc tout caillou crasé net. Donc moi-même, je ne pensais pas que la situation était aussi grave que ça, moi-même, avec le ministre Thomas, nous sommes constatés. Non, c'est le rue côté d'ailleurs, il y a un caillou qui est tombé, il y a un monde qui mourit, son petit monde. Un petit monde que vendredi, je vais pour payer l'école pour lui, qui mourit. Et moi, toute rue a censé pas un yokai côté que y a un monde capable de passer en nuit. Parce que tout caillou, ça qui pas tombé, ça qui fissuré, et ça qui présentait de gros malheurs. Et m'dou que m'pas de passer en pleurs au dégât grave comme ça, parce que finalement me senti que gros monde touché à plus que 75%. Donc qui m'a donné une intervention d'urgence, vraiment d'urgence, des techniciens, premièrement pour nous faire un constat, pour capable permettre que nous identifier qui caille que mon yo capable de continuer à habiter et qui caille qui t'a interdit pour mon yo même fréquenter voir pour ta bien dominer là parce que le ou frappé par un tremblement de terre donc attend a bien de petits secousses de temps en temps donc gain de caille même l'orel campé eh bien c'est un malade qui campé donc moi c'est Joël Zolal les nécessités une intervention à plus haut niveau pour permettre que eh bien mon yo qui était déjà dans situation difficile économiquement difficile pour être capable comment capable sortir de la situation que est là parce que tout le monde dans la rue depuis hier soir donc faut que le gouvernement eh bien matin même t'a capable d'intervenir et faut que nous dit tout que le président de la République relève à plusieurs reprises, le premier ministre relève à plusieurs reprises, qui était facilité de jouer le matériel rapide hier soir, et qui a mobilisé un équipement TPTC, équipement CNE, qui permettent que nous fassions un travail de titan pour que nous arrivions à lever un bâtiment qui était à terre plate là. Hier soir, les que nous apprenons que c'est Islam passé dans le pays, et notamment Goumon qui était frappé en pile, mais tout de suite nous sommes rentrés en communication avec tout TPTC et pour permettre que ensemble d'équipements et caravanes qui travaillent sous Terre-Neuve, qui travaillent sous Gonaïve, et bien nous sommes mobilisés pour que rapidement ils viennent sous Goumon pour capable aider. Aider dans le sens parce que il y a un auditorium Goumon qu'on est tombé, mais c'est grâce à l'équipement ça qui permettent que vous déblayez rapidement toute la nuit dans le terrain. Et là, actuellement, nous avons gardé ensemble de maisons qui fissurent, des familles qui, pour diable, caillou crasé. Donc, pour ça, nous pensons que nous allons rentrer en contact rapidement ensemble avec le reste gouvernement pour permettre que vous venez dénombrer quantité de maisons qui fissurent, quantité de maisons qui méritent pour démolir tout, parce que les maisons ne sont pas arrêtées en dehors encore. Donc, dans ce sens, ça, c'est tout le support ça, que l'équipe Caravane a porté pour permettre que l'État, ensemble de services publics là capable porter service par la population le plus rapidement possible. Pour le présent moment, c'est diagnostic, c'est information que nous avons recueilli avec délégué départemental là, nous toute la nuit là nous étions en contact ensemble avec lui même la privé là et puis en même temps tout nous parlons avec protection civile pour permettre que y aller dans toute zone qui gagne difficulté notamment gagne la cul qui frappe en pile ou gagne l'autre zone encore dans commune Gomon là qui frappe et mais vous pouvez faire et dénombrement de maisons qui familles qui touchées pour permettre que l'État
capable organiser porter et m'daga di support pa yo ba famille ça qui touché parce que gagne nous sont garder des série dames là qui frappé dans pied et des familles gagne des moun nous connaît yo perdu yo membre dans famille yo là nous dans l'école sœur là là ouais bâtiment ça li tombé donc tout ça et bien nous pral recueillir ensemble des données ça pour permettre que l'état capable organiser et rapidement porter support ba population ça ba famille ça qui frappé et nous connaît tremblement de terre là li frappé yo li durement frappé yo et reconfort là dans sens que pour capable de kembe et n'a pral garder comment l'état à travers d'ailleurs président de la république là li pral visiter toute zone ça et à partir ensemble d'informations que nous pral recueillir là et bien l'état pas oublier l'état porter support pa yo ba yo. Depuis hier soir, aux environs de 8 heures, que toute équipe là, lui en branle, et ni la haute instance du ministère, en l'occurrence ministre, non même, c'est presque chaque 30 minutes, lui en communication, c'est pas avec nous. Donc, depuis hier soir, nous avons gagné une trentaine de blessés. Nous avons gagné, sous gros monde, 8 graves qui étaient référés sur l'hôpital de la Providence de Gonaïves. Et actuellement, donc, à cause que rivière a été en crue, donc, on commence à recevoir quelques cas de section communale qui à peu près a monté le nombre à 35-37. État d'urgence décrété sous le monde. Donc, c'est ça qui fait que, ouais, matin, là, et il y a un matériel encore qui a vini. Parce que tout ça qui était utilisé hier, il n'y a pas capable de. Et faut qu'il renfloue le stock yo, donc c'est ça que nous fait là actuellement là une machine cap porte matériel cap porte pour Boïsia cap pour aller dans nord-ouest comme vous capable remarquer après que gagne quelques salles qui sont affectées donc nous pas voulu dans mesure pour éviter que mon ambassade là pour plus traumatiser davantage donc il choisit espace là donc plus ou moins nous va regarder améliorer service là c'est pour ça présentement la matière pour nous comment nous capable améliorer plus ou moins service là, au niveau alma mater de commande. Dortellis family. Dortellis family. Environ 7h30 comme ça et puis moi t'es chez la caille moi et puis brusquement moi senti qu'on gros force qui se fait sous chaise là coup et puis il fouille en l'air et puis me plonger saute dehors de gain de l'autre Simon avec moi yo gain t'envie joindre moi et puis me camper devant non on côté qui pas gain trop mur et puis me garder poteau électrique qui cap tomber. Mais son bagage qui durait environ 4 secondes. Parce que je pense qu'il n'y a pas plus que ça. S'il t'a plus, mon cher m'a dit que Gomon t'a crassé totalement. S'il t'a plus. Mais sous des comme nous rappelons là, qui bâtiment que tu es là exactement? Ça c'est auditorium. Non? C'est côté que une grosse activité qu'on fait là. On connaît.
En plus gros activités, programmes, DJ, artistes, gros conférences qu'on fait là. Enterrement tout, en plus funérailles chanter là. Mais pas pendant la soirée, est-ce que tu as des gens qui sont dans l'auditorium? Bon, pas de gens, c'est bon faire. Dieu qui fait que c'est dans l'heure ça va passer. T'as dit clair, si c'est non, l'heure enterrement, bah, ça va passer, c'est bah, terrible net. Donc, t'as dit clair, pas de gens qui sont là. T'as gagné environ. Gon grand monde qui nous joignent, li mouri, té gon l'autre monde qui nous joignent li grave, li blessé grave. C'est deux monde ça qui était là, mais forme tout clair. Son espace si c'est dans leur enterrement ou activité sur bah enfin, en bas terre. Alors où c'est mon zone là, bon bah, assurément que vous avez visité plusieurs côtés dans zone déjà, qui côté après auditorium là ou même constaté déjà qui et gain dégâts fait là-dedans. Gagne zone rue Salomon de l'hôpital là qui crasé en pile, gagne ti monde qui mouri. Nous pas connait qui quantité nous pas regarder là ensemble. Gagne tout un paquet l'autre caille même si yo campé, mais il faut que t'a démoli parce que yo ont des gens brancal yo n'importe là on va tomber n'importe secousse qu'à la guerre. C'est un chita là qu'elle m'entendait qu'elle a tremblé. L'aime moi dit Jésus sauve-moi. L'aime garder moi bail la vie plus fort. Là même tes grosse petite qui chita sous cabane dans la salle là, là même prendre voltige, me camper dans mitan la quoi. L'aime camper dans mitan la quoi, c'est cougnant de Dakar la fait des gars, m'entendait converser lié, chavirer bouchon, m'entendait chambre là, quatre pans nous sorti tomber en dedans chambre là, pas en dedans tomber. L'aime garder encore dans salle là encore, l'aime garder de grand bagalerie, m'entendait bim, l'aime garder moi c'est deux pans nous qui tomber en bagalerie. L'aime garder me dit Jésus sauve moi ça qui passer comme ça. L'aime garder yo dit mon cher go voisine qui mon Dieu seul dit grosse peine. Ou fatigué tout me dit oui, Kayla crasé net mon Dieu seul. Combien Kayla pendant tomber, gen 8 pendant qui tomber dans Kayla. On capable douce dans la rue moi et dans la rue moi avec 4 petites dans la rue moi. M'pa connais si passé, m'pa connais si la passe encore, m'pa connais. C'est Jésus qui connaît si la passe. Cinq heures dans l'après-midi environ, amis téléspectateurs, téléspectatrices, Télévision Nationale d'Haïti. Bon bonsoir pour nous tous, nous sommes très contents pour nous rentrer la caillou après-midi. Et comme vous connaissez déjà, la télévision d'État qui décrétait la permanence depuis hier soir et matin encore vers minuit, arrivé jusqu'à 1h du matin, c'est une émission spéciale au niveau de la télévision d'État. Et depuis, mais il y a différentes équipes en dans télévision d'État qui retrouvent sur le terrain pour capable porter dernières informations pour vous par rapport à terre qui tremblait dans le pays d'Haïti. Et là, à côté de nous, nous retrouvons sous piste aéroport international Toussaint Louverture. Côté nous avons une équipe télévision d'État qui a prêté le président de la République, là, son excellence M. Jovenel Moïse, qui a rentré lui-même au niveau de l'aéroport là, côté Libralguin pour le présenter en conférence suite à visite qu'on souhaite réaliser au niveau de Grand Nord pays. Il y a parlé de trois départements qui ont même particulièrement touché par le passage du séisme de ce samedi 6 octobre. Un séisme qui passait aux environs de 8h du soir hier soir et qui gagnait en magnitude de 5.9 sous échelle Richter. Et là déjà, nous avons un peu d'informations par rapport à première donnée que protection civile, que direction protection civile communiquait avec nous. Nous voulons parler tout de toute instance qui concernait par état d'urgence qui décrétait jeudi pour faire gestion ou bien pour faire une meilleure gestion de phénomènes naturels. Ça que nous proposons capables de fin habituer avec. C'est vrai que le message est toujours lancé par rapport à une précaution que nous devons prendre, par rapport à mise en garde que nous devons prendre. Mais jusqu'à présent, nous entendons sur le fait que nous proposons capables d'habituer à un modèle phénomène ça. Et là, j'aime de dire, présence nous au niveau de l'aéroport international Toussaint Louverture, côté dans la salle de presse qui gagne, dans le salon diplomatique là, président de la République là, pral gagne pour que l'IBA ait conférence de presse là. Et conférence de presse là, c'est autour de visite. Président, dans trois départements, nous sommes cités là. On a parlé de Artibonite, on a parlé de Nord et on a parlé de Nord-Ouest. Et nous connaissons le Nord-Ouest, particulièrement la ville de Port-de-Paix. C'est une ville qui est touchée après passage séisme là. D'ailleurs, épicentre, dans lui-même, les retrouver dans le canal de la Tortue, qui est situé là en vingtaine de kilomètres d'ailleurs de ville Port-de-Paix.
Donc nous comprenons que c'est là, eh bien, des dégâts yo même yo majeur par rapport à l'autre zone. Lundi majeur, c'est toujours par rapport à l'autre zone, puisque nous connaissons, c'est Port-de-Paix, c'est Gourmont qui ont même particulièrement touché. Et selon dernières données que Protection Civile communiquait avec la presse, communiquait avec les médias et communiquait sur toute plateforme que le gain est disponible pour ça, il fait état de 1 mort au niveau de la commune de Saint-Louis-du-Nord. Et Jean est déjà capable de remarquer le soutien qui commence avec nous, comment c'est gain un mouvement qui a fait sous piste aéroport international sous Saint-Louis-du-Nord. Côté président, il est déjà arrivé, puisque là, il y a un hélicoptère là que nous avons l'impression qui est déjà arrivé. Le président qui lui-même parle gagner pour lui prononcer à Nation, prononcer via la presse à Nation pour qu'il soit capable d'informer. Ce qui ça, il gagne dans même comme données par rapport à passage tremblement de terre là. Qui disposition qui prend déjà, qui disposition qui annonce pour prendre, puisque Jean nous capable déjà constater, ou même amis téléspectateurs et téléspectatrices qui retrouvent soit dans le Grand Nord là ou bien dans le département de l'Ouest, nous continuer à subir des secousses sismiques. Et par rapport à secousses, nous connaissons que nous avons une population qui j'aime des îles d'Aléa pour que j'aime capable de finir habitué à un modèle phénomène naturel. Ça, donc, c'est très important pour que l'autorité, à travers cellules d'urgence que nous connaissons qui forment, qui viennent en tête les premiers ministres pays, il y en a parlé de M. Jean-Henri Seyant, ensemble avec plusieurs autres ministères sectoriels. N'a parlé de ministère de santé publique, n'a parlé de ministère de l'intérieur, n'a parlé de différents autres ministères qui concernaient pas Sakabrivé la Joudia, qui ont même concerné et qui fait partie de cellules d'urgence qui a bien pour que au travail par rapport à phénomène ça et par rapport à disposition que nous dit qui doit prendre pour que nous capables de faire face avec phénomène ça. Là, président pratiquement arrivé, puisque vous capable suivre avec nous sous petit écran, le président qui est pratiquement arrivé, puisque là c'est l'hélicoptère là qui a posé. Nous-mêmes, nous décréter la permanence, Jean de Dille, pour que nous permettre que vous vivez, mais moment ça, permettre que vous vivez, arriver président, et nous rappelons que président, t'es allé en visite par rapport à tremblement de terre, ça, qui saute frapper PIA, et continuer à gagner des secousses, Jean de Dille d'ailleurs, qui, eux-mêmes, a fait sentir un peu partout à travers le pays. Et particulièrement dans la zone qui est plus touchée, puisque nous connaissons que c'est la traumatisme les plus élevé. En zone d'un coup Port-de-Paix dans le nord-ouest du pays, c'est une zone qui particulièrement concernée. Et c'est ça que fait tout le président de la République là, M. Jovenel Moïse, il était rendu au niveau de nord-ouest pays. Nous sommes toujours sur place pour nous permettre de vivre. Arrivé président de la République là. Nous sommes sur place pour nous permettre qu'on vive. Arrivé président de la République là, son excellence Monsieur Jovenel Moïse, qui à peine arrivé, hélicoptère qui a été transporté en République là, a atterri au niveau de piste. Au niveau de piste là, dans l'aéroport international Toussaint Louverture. Côté président, accompagné de plusieurs autres personnalités. Ragno dans les départements du nord, du nord-ouest et de l'Artibonite, le président de la République, suivi du ministre des Travaux publics, Transports et Communications, l'ingénieur Fritz Kayo, le président de la République qui a été reçu par le responsable de protocole du Palais national, monsieur Mazil. Ambassadeur Mazil, le président qui a salué l'autorité dans l'État, il salue le ministre Justice et Sécurité publique, il salue le directeur de cabinet du Premier ministre qui a même tout fait déplacement pour venir accueillir le président. Il salue le ministre intérieur et collectivité territoriale, M. Jean-Marie Rinaldo Brunet, et toute l'autre personnalité dans l'État, responsable au niveau de la protection civile, qui a fait déplacement pour que vous venez accueillir. Chef l'État qui sortit de yon visite de quelques heures au niveau de plusieurs départements du Grand Nord. Donc à citer département Artibonite, département du Nord en tant que tel et le département du Nord-Ouest. Et département du Nord-Ouest, j'en connais déjà, c'est département qui, jusqu'à moment on a parlé à là, selon dernière donnée, jusqu'à présent, selon dernière donnée, c'est département qui est touché après passage et séisme, ça. Un séisme de magnitude, j'en te dis tout à l'heure,
que dernière donnée yo, que unité qui gagne contrôle donnée ça yo, so dit que séisme ça li gen magnitude de 5.9 sur échelle Richter là, et li passé dans la nuit hier samedi à exactement à 8h12 Nassouin. Et c'est quand même panique totale au niveau de département Sahara, département Nord-Ouest. Mais tout, panique tout, un peu partout à travers le pays, puisque eh ben, tout côté d'un pays a été senti ce coup ça par rapport à un eh ben, passage de tremblement de terre là. Il y a un deuxième hélicoptère qui est censé arriver sous piste là. Probablement, il y a un premier ministre Jean-Henri Séan Ladani, avec de l'autre autorité, de l'autre personnalité qui était accompagné président dans le cadre de visite ça. Nous, toujours au niveau de l'aéroport international Toussaint Louverture, toujours sous piste là, n'a permettre que vous vive arriver deuxième hélicoptère ça. Entre temps, qui t'a dit où que nous là, pour que nous capables de permettre que au vive conférence de presse post-visite du président de la République là, qui sorti dans le nord, dans le nord-ouest, dans la Tibonite, côté il saute recueilli des informations, côté il saute garder comment réalité a lui-même lui présenté au niveau de trois départements sahéo après passage séisme ça, un séisme qui déjà fait une dizaine de morts selon dernière donnée. Nous toujours sur place pour que nous capables permettre de vivre, pour que nous capables permettre de vivre arriver deuxième hélicoptère là, un deuxième hélicoptère qui était gagné là dans le secrétaire d'État à la communication monsieur Eddy Jackson Alexis. Monsieur Eddy Jackson Alexis qui était dans un deuxième hélicoptère qui à peine posé au niveau de piste aéroport Toussaint Louverture. Secrétaire d'État qui a fait saluer les ministres qui sont présents au niveau de piste aéroport là. Et un troisième hélicoptère qui a privé, dans le moment où on a parlé là. Un troisième hélicoptère qui a privé, dans le moment où on a parlé là. Et assemblée, c'est hélicoptère premier ministre, notaire Jean-Henri Séan, qui est même à peine arrivé. Donc c'était quasiment trois hélicoptères qui étaient gagnés, autorité qui ont même sauté, rendu visite à la population dans trois départements qui étaient particulièrement concernés par ce tremblement de terre, par ce séisme d'une magnitude de 5.9 sur l'échelle de Richter et qui causait pas mal de dégâts au niveau de trois départements côté autorité dans l'État. On a parlé de président de la République là, son excellence M. Jovenel Moïse, on a parlé de premier ministre Maître Jean-Henri Séan, on a parlé de plusieurs autres hauts dignitaires dans l'État, parmi eux ministres et secrétaires d'État. Et nous sommes tout à l'heure arrivé secrétaire d'État à la communication, M. Eddy Jackson Alexis. Et là, c'est le premier ministre à lui-même qui a arrivé, qui a descendu l'hélicoptère qui conduit vers Port-au-Prince. Et j'ai dit tout à l'heure, c'est certain que. C'est certain que. Gagné en pile données que l'autorité a recueilli par rapport à passage tremblement de terre là. Et voilà, le notaire Jean-Henri Séan, premier ministre de la République d'Haïti, qui avait accompagné le président de la République au cours de cette visite dans le Grand Nord. Premier ministre qui a salué le ministre, qui a salué l'autre personnalité. Et tout le monde qui est là, a fait prendre direction. A fait prendre direction. Et tout le monde qui est là, a fait prendre direction. Salle de conférence, hein, salle de presse, hein, côté président pour offrir une conférence de presse. Et avec le premier ministre, il y a aussi plusieurs autres ministres. Le ministre de l'Intérieur et des Collectivités Territoriales, M. Jean-Marie Rinaldo Brunet. La ministre de la Santé publique et de la Population, Dr. Marie-Greta Roy-Clément. C'est autant de personnalités qui étaient ensemble avec le président de la République, là, premier ministre, là,
qui ont même à peine arrivé au niveau de piste aéroport international Toussaint Louverture. Et quoi elle est là, nous pral traverser au niveau de salle de conférence à côté président, lui-même li pral gagner pour que li ba yon conférence de presse et yon conférence de presse qui quand même pral permettre que président partager avec nous toute information qu'elle recueilli après visite que le saute fait dans trois départements dans grand nord pays d'Haïti. N'a pas petit camper, n'a pas tourné tout de suite après pour nous capable permettre qu'on vive conférence de presse là. Dans bouquet pour me mettre gaz dans moto et puis me parler moi là calme et puis l'aime rivé dans cocoyé et puis bah quand c'était moi pour toi t'attend tout et puis même côté ma patte et puis pour toi tout tomber sous tête moi elle voltige moto à l'autre bord et puis elle s'est tombé sous sentiment quoi en bas qu'on a rien il prend téléphone moi pour pantalon moi tout comme oui docteur bon soin hier soir qu'on a docteur dit va venir sous moi là encore la venue de bossman il a vu qu'il a mis un autre sous moi encore. On caille qui crase, oui. On est dans la cabane, on est dans la dormi. En même temps, tu es sous cous là, mais c'est premier. Tu as demandé de moi bien quoi ça. Tout ça qui a passé, je ne comprends pas, mais ça allait. Je ne comprends pas. Bon, je retourne, un petit homme qui m'était dehors. Il aime pas mourir, il n'a pas mourir. Ah, il fait moucher avec, il est venu me dehors. Depuis hier soir, aux environs de 8 heures, que toute équipe l'a lié en branle, et ni la haute instance du ministère, en l'occurrence ministre, non même, c'est presque chaque 30 minutes, lié en communication avec nous. Donc, depuis hier soir, nous avons gagné une trentaine de blessés. Nous avons gagné, sous gros monde, 8 graves qui étaient référés sur l'hôpital de la Providence de Gonaïves. Et actuellement, donc, à cause que rivière a été en crue, donc, on commence à recevoir quelques cas de section communale qui est à peu près à monter nombre à 35-37. État d'urgence décrété sous le monde. Donc, c'est ça qui fait que, ouais, matin, là, et il y a un matériel encore qui a vini. Parce que tout ça qui était utilisé hier, il n'y a pas capable de. Et faut qu'il renfloue le stock yo, donc c'est ça que nous avons fait là actuellement là une machine qui a porté matériel qui a porté pour Boïsia qui a pour aller dans le nord-ouest comme nous capable remarquer ou après que gagne quelque salle qui s'est affecté donc nous pas voulu dans mesure pour éviter que mon ambassade là pour plus traumatiser davantage donc il choisi espace là donc plus ou moins nous va regarder améliorer service là c'est pour ça présence la matière pour nous comment nous capable améliorer plus ou moins service là au niveau alma mater de Goumon. Nous saluons tous les spectateurs et spectatrices télévision nationale d'Haïti. Nous trouvons nous connaissons là dans le département nord pays précisément dans la commune Plaisance par rapport avec le tremblement de terre qui frappe pays qui frappe plusieurs côtés dans le pays nous connaissons Plaisance c'est une côté que population mon cap vivre là yo vivre vraiment en mauvais nuit hier soir par rapport avec ça qui rive yo là on regarde là nous devant l'église Saint-Michel-Lacan c'est une église qui a affecté en pile dans quatre tremblements de terre ça qui passé là gagne l'école mais autour tout gagne plusieurs cailles qui gagne dans ville là tout qui endommagé nous là nous venons regarder comment ça est dans la commune Plaisance nous allons parler avec mon zone et puis tout n'a pas la curé par WhatsApp nous là dans la ville là on a visité nous allons regarder comment ça est et puis tout n'a permet la population une bonne idée de ça qui passait dans la commune Plaisance dans le cadre tremblement de terre ça.
Tortellus family. Tortellus family. Too long, I can't breathe, I can't take it slow. We're far away from home, but I can't wait to get you under my skin and right back to where we've been. Habituellement, chaque samedi, je prends toujours le soin possible pour que je sois censé faire tout ça relais, entre guillemets, un finish pour la célébration de la messe noyo, spécialement la messe dominicale. Et tout au plus, je dis, c'est le premier dimanche du mois. Donc, c'est le moment côté que nous pouvons accueillir, disons, toute chapelle noyo et que pour nous vivre une grande célébration. Et à ce moment-là, je suis à l'étage. Je suis à l'étage et dans le lieu respectif, côté que je prépare la messe et puis et toute annonce, tout ça qui est nécessaire pour que nous préparions la messe pour demain. Et c'est d'un coup, aux environs de 8 heures et quelques minutes environ, à l'étage, j'ai été habitué que tu es là sans avec moi, c'est Abbé Jordani. Et puis, au moment que je dis Abbé Jordani, moi, nous entendons un bruit, un son qui, comme t'apparaît, un petit peu désagréable à l'oreille. Mais nous ne sommes pas capables vraiment d'identifier de quoi il s'agit. Et c'est ainsi, moi, j'ai une gain, une intuition qui t'a permis que c'est quelque chose que je n'ai pas habitué avec lui. Et puis, son son t'apparaît, tant coup, c'est une grosse machine, un gros camion qui porte en pile fer, qui fait bruit dehors. Et c'est de là étant, moi, une grande intuition, on dit, Abbé, attends le mois de terre, on descend. Et bien, on file de côté de Chita pour nous préparer la messe, et puis nous descendons dans le marché escalier. Et c'est de là étant, on voit tout bruit qui gagne de Yorwa, communauté déjà rassemblée. Et c'est un moment ça, on a gardé l'église, on a gardé le presbytère là, et puis on voit des gars qui fait dans l'église là, nous gagnons spécialement dans la façade principale là, nous gagnons la partie supérieure là, qui était supportée quoi là, et bien les mêmes lits tombés, toute muraille devant, elle est fissurée, les rentrées de l'église encore toutes censées fissurer. Donc l'église là, c'est une église qui vraiment n'est pas qu'à fonctionner. C'est une raison pour laquelle qui fait que nous rassemblons aujourd'hui pour nous capables de célébrer la messe avec le peuple bon Dieu. Et presbytère en tant que tel, nous gagnons l'été comme divisé en deux parties, nous gagnons une partie ça. Les parties qui est à ma droite, c'est un petit peu ancienne. Donc, construction ça qui est vraiment été faite avec roche
brique et puis la chaux vive et qui actuellement il est tellement fissuré dehors tant qu'on dedans donc il est pas capable d'habiter personne. Et nous avons parti ça qui est un petit peu à ma droite, donc c'est les mêmes qui étaient plus ou moins en construction récente, donc c'est là dedans nous avons plus ou moins passé nuit nous entre sommeil et réveil parce que vraiment nous étions un petit peu surpris et étonnés, donc nous pas de chance vraiment pour être capable de dormir après fermer. Donc c'est un peu ça. Non, moi tu m'as dit dépassé pas de gens dans l'église. Ah non, heureusement parce qu'il était déjà dans 8h et heureusement nous gagnons pas vue principale là. Donc comme lui-même les anti encadré encerclé les clôturé, donc fait que tout mur qui sorti hein, tout débris qui sorti en les trois là, donc il y en a qui tombé devant pavé, hein, nous capable remarquer ça pas après. Donc heureusement il était fermé, il était fait noir, donc ça pas été pas de dégâts en vie humaine. Pourquoi t'as fait une évaluation des dégâts qui des dégâts yo? Donc pratiquement moi pas qu'à faire une évaluation scientifique parce que moi pas dans le domaine non, mais le moins rentré à l'œil nu n'importe monde qui rentrait et si là même t'es capable pas aucune connaissance là, une fois que le rentré là capable ouais structure visible là, il est pas capable d'habiter personne, il faut apprendre capable rassembler toute communauté à la dans lui. Malgré ça quoi, ça va pas empêcher non nous continuer mais matin là normalement non dans la cour là. Bon, au fait, c'est normal parce que père lui-même n'est pas capable de fonctionner en dehors de trois fonctions fondamentales. À savoir, il est capable d'enseigner, il est capable de sanctifier, il est capable de gouverner. Donc, normalement, avec l'Eucharistie, qui c'est une plus grosse prière, hein, que nous-mêmes, bon Dieu, gamet là, par pitié de Jésus qui t'a quitté pour nous-mêmes, donc, au fait, nous pas capable de célébrer la messe. Donc, de toute façon, en dehors de l'espace visible là, qui c'est roche, qui c'est mur, d'ailleurs, nous-mêmes, c'est un bon Dieu, hein, donc c'est normal pour que nous créions un espace, trouvions un espace pour que nous célébrions avec bon Dieu. Et puis nous avons gagné à Divo, nous avons gagné une visite communauté à tout parce que la communauté a été rassemblée non seulement pour porter une curiosité bon, qui paraît naturelle là avec tout homme, mais quand même qui devine pour tes soutien, yo, affection, yo, amitié, yo, sympathie, yo, bah, nous-mêmes pour dire comment nous y est mon père, comment l'église là y est, comment. Nous avons dit toute communauté a été censée rassembler, nous avons un magistrat qui passe avec équipe blé, nous avons l'autre autorité civile dans la communauté qui est passée. Ouais, nous sommes vraiment satisfaits de ça. Jusqu'à présent, bon, en attendant que nous continuions à faire, nous avons continué à réunir dans la cour avec fidèle. Ah bon, au fait, oui, mais tout dépend. Comme on connaît le proverbe créole l'a dit, sagesse créole l'a dit, quand il coule et trompe le soleil, il va quand tomber la pluie. Donc peut-être les anti-gens bonheur, il est capable, plus ou moins facile et possible, pour nous capable de réunir dans la cour. Mais les non en période d'intempérie, étant donné octobre, novembre, pour attaquer mi-décembre, pour le gagner un peu de la pluie, donc déjà la pluie commençait. Donc nous pensons qu'il est capable vraiment, et pas facile, mais on a toujours tenté. À chaque fois, il y a une possibilité, on a tenté parce que c'est mission pas nous. Je parle avec le peuple haïtien et nous connaissons, pour nous parler avec le peuple, c'est médium, c'est presse là. Je salue presse parlée, écrite et télévisée, journalistes qui sont ensemble avec nous là. Et je profite dans ce moment ça pour me voir sympathie pour
journaliste, je voulais parler de correspondance groupe FM dans Gonaïve, qui est même dans le moment où tu as baillé un point de presse dans le monde, et puis une réplique de 5.2, c'est ça, qui débat une situation de panique qui journaliste me croit que les ont une fracture dans bras gauche, je crois. Je voyais toute sympathie moi à radio et télévision Scoop FM et journaliste en tout. M'a dit que hier de 8h11, le tremblement de terre a fini de passer jusqu'au moment où on a parlé à là, tout responsable l'État yo à pied d'œuvre. Je parle avec le premier ministre qui était dans une retraite gouvernementale. D'ailleurs, le ministre qui l'a, il était dans la retraite là avec lui. Depuis 8h15, nous avons communiqué pour une réponse qui était portée. D'ailleurs, pour ne pas attendre, c'est le lendemain. En parlant de matin, hein, il y a des réponses qui étaient portées sur le département. Il faut nous dire que le comité national de gestion de risque et de désastre, qui sont comités permanents, qui est là dans le premier ministre, ça veut dire que le premier ministre qui est chef, lui, et le ministre des publics, le ministre de la Santé publique, le ministre de la Planification, le ministre de la Défense, et puis avec Croix-Rouge haïtienne. Comité ça a li activé comme dit depuis hier soir, et ministre de la Santé publique là qui lui même rapport que me te gagne, il te gagne en travail pour une ambulance aller dans le nord-ouest. Et non seulement nous voulons parler de ambulance qui te gagne dans le département, et te gagne ambulance qui sortit tout dans le département à Tibonite. C'est ça qui te permet l'évacuation blessée ou te fait rapidement dans la ville Port-de-Paix pour aller dans l'hôpital qui est là pour ça. Je voulais parler de l'hôpital Beraka, que je remercie responsable et puis bon, l'autre centre hospitalier qui est dans la ville Port-de-Paix que je remercie responsable tout, et l'hôpital Immaculé Conception qui te servi et bon, l'hôpital autrichien que je connais dans Saint-Louis du Nord qui te travaille tout pour te faire gros coup de main dans ça qui t'est passé hier soir. Ministre Travaux publics, d'ailleurs nous voyons ça qui t'a passé sur les réseaux sociaux depuis 3h20 du matin, gagné un local qui était un petit monde qui était emballé, c'est un centre culturel qui est dans le gros monde. Équipement travaux publics qui est arrivé sur place, qui est en sortie dans le département à Tibonite. Ça veut dire, je vais parler de direction départementale à Tibonite, parce que le gros monde sont venus dans le département à Tibonite, mais qui n'est pas équipé d'engin lourd. Engin lourd est arrivé la nuit là, et pour arriver midi, moi je crois que nécessaire de être en fait. Des comptes des briques terrain dans Saint-Sara, ils ont été évacués. Et moi-même, pendant le passage de Gomon, j'étais campé sur ce site-là même, un site que Travaux publics, qui en deux comité national de gestion risque avec des assassins, le premier ministre de l'Intérieur a instructionné et travail ils ont été faits. Le cadavre là, il est en mort. Et je profite de vos sympathies, non seulement par une victime que je visite Port de Paix, par une victime que je visite Gomonio, mais profitez-vous et sympathie par toute victime en général de catastrophes naturelles, ça, 30 de terre, 5.8 ça, qui passait dans le pays hein, hier soir. Et faut nous dire tout, à part le comité national de gestion au risque des assassins, nous gagnons direction protection civile. Parce qu'il ne faut pas oublier, comité national de gestion risque avec désastre, c'est là que tout travail stratégique en fait, mais travail opérationnel, c'est dans le niveau direction protection civile. C'est pour ça que nous avons
nous gagnons docteur Chandler qui est ensemble avec nous là. C'est lui-même qui est responsable de protection civile. Lui-même, il a pour le point directif dans le comité national gestion risque avec désastre. Ministre des Affaires sociales là, qui lui-même à pied d'œuvre, guettant à travers FAES, mettait toute qualité, ça que nous avons besoin en matière de la manger, nous comptons ça. C'est un gros problème parce que l'on va comme ça fin passer. Mounio, il ose à boire. Je connais qu'à travers FAES, il y a une cuisine mobile qui est activée dans le nord-ouest. Il y a un pile ratio alimentaire qui partit tout calé dans le département. Le ministère de la Défense, il y a un premier contingent qui partit avec des militaires qui allaient pour le porter concours. Et un deuxième qui est en route, nous pouvons arriver déjà. Deuxième dans la route. Et dans le niveau ministère de la planification, il y a un pile de travail qui a fait pour que demain, le premier ministre pour le faire rencontre que le pour le faire avec nos partenaires financiers et techniques et ONGO pour que planification soit en mesure pour dire que mais qui côté nous est mais qui s'acquivait déjà mais qui intervention que l'État a fait et nous-mêmes si besoin a bien mais qui besoin que n'a bien n'a identifié. Et ça est très important, ministre de planification, moi qu'on est depuis le matin, il y a à pied d'œuvre, pour collecter information pour le capable de mettre un bon document demain devant le Premier ministre hein, pour permettre que le travail planification soit fait. Quoi aux haïtiennes, moi qu'on est dans pile d'efforts qui fait, moi j'ai information, il y a plusieurs pochettes sans qui allaient dans le nord-ouest. Plus précisément dans la ville, au port de paix, nous voulons parler de 17 pochettes qui allaient. Et nous profiter de l'occasion pour nous dire tout le monde, tout donneur, donneur volontaire, ne pas oublier que le sang sorti dans la Croix-Rouge, les al sauvons frères, les al sauvons sœurs. S'il pas remplacé, le sang à l'autre frère et l'autre sœur, ils ne pas capable de joindre possibilité pour joindre. Sans ça, parce que nous connaissons, c'est la vie. Et à part de direction protection civile là, qui lui-même, qui coiffe tout, qui coiffe Koun, nous voulons parler de centre d'opération d'urgence nationale là, qui n'a pas tout prince, et nous avons des coudes à travers les 9 autres départements du pays. Koudio, c'est centre d'opération d'urgence départementale. Nous sortons dans le nord-ouest, là, plus précisément dans la ville Port de Paix. Nous sommes visités centre d'opération d'urgence départementale. Là. Nous voyons que monsieur Dame est très actif. D'ailleurs, même, c'est eux qui sont à pied d'œuvre ce département. Là. Et de Koudio, nous gagnons dernier centre d'opération d'urgence. C'est Kouklan qui est centre d'opération d'urgence communale. Là. Que je connais eux-mêmes, c'est à travers mairie. Et Port de Paix, j'ai eu la chance de rencontrer avec la mairie de Port de Paix. Gros monde, j'ai eu la chance de rencontrer avec la mairie de Gros monde. Et c'est pour ça que je m'ai demandé au Premier ministre pour travailler de coordination qui est le fait là, pour que Koukyo soit très impliqué dans le travail de coordination ça, pour le résultat que nous avons cherché, parce que l'État sont seuls pour nous capables de bien un résultat. Côté peuple là, j'en ai toujours dit, nous là pour mettre l'État au service peuple là, pour réellement pour l'État ça, pour peuple là qui a venu service ici en temps réel. Comme fini, je profite de l'occasion pour me dire tout le monde, gardez calme, suivez consigne. Toute consigne que direction protection civile me connaît qui a activé, il y a des messages qui a passé sur les réseaux sociaux. Il y a un message qui a passé par compagnie de téléphonie mobile qui vient dans le pays. Dans le département nord-ouest, département nord, département nord-est et dans le haut, à Tibonite, dans tout. Je dis tout le monde dans la zone. Là, nous avons un problème, nous sommes tendus, si c'est dans la commune ou dans la section communale ou après à Kazakh. Pour Kazakh, à ce moment-là,
pour lui ouais ak magistrat qui lui même c'est lui qui chef opération Cook là centre d'opération d'urgence communale sous nos communes ou nos villes ouais ak mairie le ça mairie lui même pour le contacter Cook là qui c'est centre d'opération d'urgence départementale et en temps réel avec communication ça que communication est aujourd'hui hein, par exemple WhatsApp et l'autre forme de communication direction protection civile a bien au courant et le ça pour nous agir en temps réel parce que moi connais direction protection civile a fait pile effort pour que à travers 10 départements pays hein, non seulement nous avons des ressources humaines mais nous avons des ressources matérielles qui permettent que nous intervenions en temps réel pour que les gens qui sont dans quatre départements, c'est comme je dis, aient plusieurs répliques que nous avons pour nous sentir, mais ce n'est pas ça qui peut faire pour nous prendre en panique, pour les gens qui sont en fait dans le pays. Là. Moi, je connais une quarantaine de gens qui sont blessés, qui sont l'hôpital. Pas demander nous pour nous qu'il y ait calme. Parce que le tremblement de terre là, c'est une catastrophe naturelle. L'État au plus haut niveau est avec nous. Nous-mêmes, à ce moment-là, c'est pour nous qu'il y ait calme, nous, pour nous capables de gérer le moment difficile ça, ensemble. Et je profite à tous les partenaires techniques et financiers nous, que le Premier ministre, là, sous instruction par moi, demain, il vient pour rencontrer tout le monde pour que la planification bien faite. Pour pas gain cacophonie, pour pas gain duplication dans intervention qui gain qui pour faite dans zone qui affectée. Pour que intervention yo faite pour yo bien coordonner pour que c'est protection civile qui lui même qui en charge à travers Koun, Koud et Cook qui vient à travers pays. Pour nous dire parce que pays c'est pour nous dire aujourd'hui nous gagnons on l'état que nous avons goumé pour nous mettre au service du peuple. Seul gens pour nous renforcer, c'est le tout ça qu'a fait l'État lui-même, prend responsabilité et lui au courant pour arriver à jouer le peuple réellement. Je demande à tout le monde qui veut aider, tout le monde, tout philanthrope qui veut aider, si nous n'avons pas arrivé dans le niveau comité national, là, mais dans le niveau direction protection civile, que je vais demander protection civile rapidement pour le cap mettons en ligne côté tout le monde qui veut aider tout le monde qui veut bah une suggestion rapidement dans le niveau protection civile nous capable contacter yo et je crois que PM non va le travailler tout pour que en ligne direct comité national là il y a des monde qui besoin contacter pour qu'à contacter directement pour que tout ça qu'on fait à travers pays c'est l'État qui gère qui coordonne merci un peu. Voilà. Merci, merci. Les téléspectateurs, téléspectatrices de la télévision nationale d'Haïti, nous sommes suivants direct depuis salle de conférence à aéroport international Toussaint Louverture, la conférence de presse ou le point de presse pour dire mieux du président de la République, son Excellence Jovenel Moïse, après visite dans le grand nord pays d'Haïti, côté le terrain li au niveau de département Antibonite, de département du Nord et département du Nord-Ouest qui était pitouché après passage et tremblement de terre de magnitude 5.9 qui passait à hier soir samedi 6 octobre là, vers 8h10, 8h12 précisément. Et là, président qui saute toutes données que le Ganameni et annoncé tout ensemble de dispositions qui vient pour prendre et pour y retourner surtout ensemble de dispositions qui prend déjà pour les populations pour que le garder calme par rapport à secousse qui pourrait gagner dans le cap Vinilayo. Et il demandait tout pour que nous capables toujours être en contact avec Cook, Coud et Cugno. Et dernier point président fait, il demandait tout pour organisme yo, l'autre structure qui a gagné pour que yo intervenu dans le pays par rapport à la catastrophe naturelle ça, pour que yo capable coordonner l'intervention avec l'État, pour que pas gagne duplication qui fait, pour que toute aide là allait joindre le monde qui a nécessité et pour le produire des résultats escomptés. Voilà donc un résumé de point de presse ça de la part du président de la République, son Excellence M. Jovenel Moïse, qui est gagné à l'I, Premier ministre PIA, Maître Jean-Henri Séan, avec plusieurs autres membres du cabinet ministériel. C'est sous notre salle, Napkito, amis téléspectateurs, téléspectatrices, télévision d'État, qui étaient branchés télévision pour capable de gagner toute dernière information qui n'est pour avec le tremblement de terre qui passait dans le pays d'Haïti. Studio Delma 33, ou qu'à reprendre la tête.
Nous profitons pour remercier Radio Télévision Nationale d'Haïti qui à chaque fois toujours profiter occasion pour capable ouvrir antenne pour nous-mêmes pour que nous soyons capables de parler comme coordonnateur technique de protection civile dans le département Nord. Nous sommes capables de dire après ce cours-là que nous connaissons qui passe dans la région Nord là, et dans le département Nord précisément, nous avons plusieurs dégâts que nous avons enregistrés. Nous avons des communes tant que Plaisance, Pilate, Boy, et qui sont des communes côté que gagné en pile maison qui fissurée, gagné maison qui endommagée et fortement dit nous tout gagné en pile maison qui détruite. Et pour blessés, nous gagné plusieurs monde qui blessés. Pour seulement commune Pilate, nous gagné environ 15 monde qui blessés. Mais en termes de perte en vie humaine, nous capable dire nous pas enregistré aucun cas en perte en vie humaine. Donc en gros pour commune nous même qui affecté pour moment côté qui n'a parlé là, nous capable citer Fort Boy, nous capable citer Plaisance, Pilate, nous capable citer commune Tancour, quartier Morin, mais à part des communes là nous pas gagné l'autre commune qui enregistré gros dommage. Mais même les pas gagné les maisons qui détruites encore qui endommagées dans certaines communes, mais à cause des paniques qui te gagnent au niveau population, gagnent dans l'autre commune, surtout qu'à Païsien, pour que gagnent plusieurs monde donc qui te arrivé blessé. Donc on connaît par rapport à 12 janvier 2010, gagnent des monde qui t'avaient à Port-au-Prince pour le moment qui a vu dans le nord. Donc ça te créé vraiment voyons situation de panique totale au niveau département nord là. Ça nous capable de son bilan partiel et côté que nous là donc c'est coup de là donc qui active côté que depuis matin nous là nous avons travaillé, nous avons communiqué avec différentes communes pour que nous capable de des données qui parle pas que nous même nous fait un rapport nous élaborer un rapport qui parle dire exactement qui s'est passé dans telle ou telle commune côté que avec appui magistrat nous gain tout vice délégué nous gain comité communal protection civile qui fournit nous des informations qui pourra permettre que donc rapport ça nous capable finaliser dans minute qui vient là pour que nous capable partager avec niveau central rapport que nous va finaliser ça va dire c'est premier rapport encore c'est premier contact nous avec et autorité encore niveau hiérarchique nous donc nous parler ensemble avec nous fournir déjà des informations des données et dans rapport que vous même vous sortez, vous avez un premier rapport, un deuxième bilan qui vient sortir, pour que pour le département Nord, il y a certaines informations qui sortent et le rapport que nous allons préparer là, par le temps, il y a beaucoup plus d'informations pour que dans le prochain rapport, le prochain bilan que vous allez sortir, donc nous-mêmes, pour que le département Nord ait des informations qui sont beaucoup plus donc détails. Nous sommes capables de dire pour le moment avec l'événement passé là, donc il y a des monde qui trouvent donc à rejoindre les familles, il y a des pour question de tremblement de terre, nous allons rentrer dans le barbe provisoire, puisque nous allons mettre en bas. Donc c'est des points de rassemblement donc nous-mêmes nous identifier déjà surtout au niveau commune Cap-Haïtien donc Mounsilao donc c'est des monde qui trouvent dans des espaces dans des maisons que eux-mêmes sentent que eux-mêmes plus confortable côté que eux-mêmes ils ont capacité pour un certain temps avant que eux-mêmes retournent dans la vie normale. Il y a accompagnement nous côté Barouzao. On est capable dire côté nous là donc ces rapports donc nous connaît au niveau gouvernement il y a des efforts qui déployent pour que donc ils sont capables de toucher donc différents monde dans la population qui rivait touché. Pour le département Nord, c'est sûr que à partir de jeudi pour demain, donc il y a des efforts à partir des rapports donc qui pourra permettre que vous avez une idée de qui zone qui peut toucher et besoin de tout qui savent. Nous avons une commune Grande Rivière du Nord, nous avons deux églises catholiques qui est touchée à Grande Rivière du Nord. Nous avons une église catholique comme il y a côté qui a un mur qui tombe. Nous avons une église catholique qui est dans le centre-ville même, donc nous avons un mur qui fissuré. Toujours dans la commune Grande Rivière du Nord, nous avons un boulanger donc, qui est détruit complètement. Nous avons une maison, qui est bon, propriétaire de M. Victor, donc, qui est fissuré, toute mur fissuré. Nous avons tout et l'autre maison encore qui est arrivée fissurée au niveau de Grande Rivière du Nord. Mais pour blesser dans la commune Grande Rivière du Nord, c'est zéro. Donc c'est tant de dégâts que nous-mêmes nous enregistrons dans le département Nord et surtout, pas oublier que nous disons Pilate, c'est une commune qui peut toucher surtout dans la troisième section qui sera une trompette. Et quatre morts. Quatre morts, donc nous gagnons au niveau de quatre morts, nous disons deux maisons même qui touchent. Nous gagnons une maison qui est détruite et puis nous gagnons l'autre maison donc, qui est clôturée. Donc,
Avec genoux, nous voyons que c'est lui qui a déplacé d'ailleurs tout le gouvernement de dans une retraite. Et la nouvelle là, nous prenons hier soir, nous connaissons vers 8h11, grand tremblement de terre de 5.8 dans l'échelle de Richter qui passait sous ville Port-de-Paix, il passait sous Gaumont, nous y a une ville de Plaisance, Cap-Haïtien, et il y a plusieurs sections communales dans le département nord-ouest, dans le département nord. Dans le département nord-est, parce que ville autour du nord, il y a des gens qui disent que ces coups-là sont très fort. Mais côté qui y a plus de dégâts, c'est dans la ville Port-de-Paix, dans le département nord-ouest. C'est pour ça tout l'État nous prend une décision pour nous venir, pour nous débarquer dans le côté Bagala Pigavla. Moi-même qui est là, président, premier ministre, là, ministre intérieur, ministre santé, nous avons ministre à la public, secrétaire d'État. Communication, tout le monde, l'État a déplacé, secrétaire d'État, sécurité publique, l'État a déplacé, il vient prendre en charge, il vient garder avec Jepal, il vient travailler avec le comité local là pour nous dire qu'on a profité pour nous féliciter, délégué départemental là avec toute l'équipe là, qui font gros travail, qui depuis hier soir, par exemple, il y a des gens qui dorment, ils ont campé, qui fait que premier soin, les gens qui peuvent rejoindre, et moi, bien content, moi, apprendre que le ministre, Santé a fait me connaître que un avion ambulance qui est entré, qui vient prendre deux personnes qui étaient plus graves dans le monde qui était dans l'hôpital parce que qui demandait des soins intensifs. Ils ont fait mon saillot. Par exemple, il y a cinq personnes qui étaient plus graves, mais il y a deux personnes qui étaient bien pour problème. Mon saillot, il y a une ambulance. Je ne voulais pas aller dans l'avion ambulance. Qui vient à atterrir, ministre. Oui, qui vient à retourner. Il retournait déjà avec Moun Sayo. Il est entré pour au prince pour aller prendre soin. Et moi, après tout, donc, c'est un collecte d'ambulances qui fait hier soir. Ça veut dire qu'il y a 5 ambulances qui sont dans la ville là-dedans. 4 travail, toute équipe là marché. Tout. Je voulais parler de santé publique. Je voulais parler de travaux publics. Je voulais parler de intérieur. Je voulais parler de affaires sociales à travers PAES. Il y a pile. Causé qui sur route en pile provision parce que en principe l'État n'a pas fini connaître qui ça qui était disponible sur place. C'est ça qui fait l'État prend charge en pile provision qui sur route. Nous voulons parler de produits alimentaires pour venir en aide à Mounio et délégué départemental là qui parle pour coordonner tout ça. Et nous connaissons que le bureau pour première dame dans tout il y a des efforts qui fait dans le niveau bureau pour première dame qui pour te fait que. Non, mais si il y a des gens qui ont des problèmes, moi je connais mon délégation
qui déplacé depuis hier soir, ma conscience déjà, qui ont même venu pour soin. L'un dit ça, nous ne parlons pas de soins médicaux seulement, ça veut dire pour venir en aide à tout le monde qui est en difficulté. C'est l'armée d'Haïti qui est même en route. Je ne sais pas si première unité est arrivée déjà, le corps du génie, même qu'on est. Il est là. Le premier ministre dit là, il est présent déjà. Et tout le monde, à la ronde badé, mettez-moi ensemble pour que nous, pour le monde nord-ouest, pas sentir seul. Pour tout le monde à travers le pays, je vais parler de monde qui plaisant, monde qui est au Cap, monde qui est dans le nord-est, pour ne pas sentir seul, l'État d'aide. Et nous prenons charge et nous disons, je dis, hein, son catastrophe naturelle qui arrive dans le pays, hein, son tremblement de terre, c'est le moment pour nous, tous Haïtiens, nous coller les épaules. Il y en a l'autre, la police qui a pied d'œuvre. Moi, je fais qu'après le directeur départemental l'a dit que DCPA, il y a un renfort que vous voyez pour lui qui va permettre tout le monde qui est dans la ville Port de Paix, ville Saint-Louis du Nord, le cap sécurisé au bassin bleu pour qu'il frappe très fort. Que moi apprendre. Et DCPA en route avec, on l'autre, avec on unité CIMO, c'est ça, pour venir sécuriser vie avec bien dans la ville Port de Paix. Mais ma dit tout le monde. Dans le département nord-ouest, monde dans le département nord, dans le département nord-est, dans le département Atibonite, qui eux-mêmes, qui victimes par passage tremblement de terre, ça va vous regarder calme. Nous avons un pile de traumatismes qui est un, et nous pourrons faire des accompagnements psycho-sociaux, nous pourrons mettre nous en condition pour que nous nous accompagnions. Ça veut dire que nous connaissons pile monde qui ont peur pour entrer dans la caillou. C'est pour ça que le ministère des Travaux publics a été instruit directeur du laboratoire national des travaux publics et du bâtiment pour voir une équipe rapidement sur place dans toute ville côté qui a des problèmes, caille qui fissure, monde qui ne peut pas entrer dans la caillou. Pour la boîte nationale, c'est lui-même, j'ai entité l'État ça qui là, qui vous dit est-ce que Kaïsa a son caille que le monde a entré là-dedans? Est-ce que Kaïsa a son caille qui mérite de réparer? Et l'État lui-même, à travers EPPLS, je voulais parler, c'est entreprise publique de promotion logement social et tout, qui suppose sous place pour venir garder avec G. Et pour vous voir comment vous venir en aide à ce peuple-là. Je connais que le Premier ministre, lui-même tout, lui a travaillé pour le bail. Tout ça, toute direction, tout ministère a besoin pour être capable de venir en aide à Mouni. Même je dis que jeudi, c'est dimanche, demain matin, son jour de classe, moi, connais que le Premier ministre, lui parlait avec le ministre de l'Éducation nationale, là déjà, qui vient pour entrer en contact avec le directeur départemental, là, pour que visite à le fait rapidement dans toute l'école, pour regarder l'état, s'il y a l'école qui est fissurée, s'il y a l'école qui a un problème, pour unité de gestion départementale là, pour être capable de venir en aide à directeur de l'école ça, rapidement, pour que l'école ça ne pas été campée pour que tout le monde capable de redémarrer l'école à partir de demain matin. Je connais que j'ai pile problème. Grand pile maman, grand pile papa qui n'a difficulté. Papa, maman vient qu'à écraser. Je connais que les gens qui mourent, ce n'est pas les pam que je vois. Moi, je connais les gens qui à 8h10 du soir, je suis vivant. Et pourtant, tu as vu que tu as passé à 8h11, je dis, je ne suis pas là. Je suis mort. Mais famille, les gens, frère, soeur, maman, papa, cousin, cousine, zami, cap gardem la, cap tandem la, connaît que président nous qui sorti la caille nous, président nous qui le sorti dans pouvoir en 2022, c'est là la tourne, parce que c'est là le été, président nous avec nous, et avec nous, dans mauvais moment ça, et président, nous avons passé Premier ministre instruction. Il y a instruction pour accompagner nous toutes parents victimes. 11 cadavres qui sont bras nous.
Fon babi li fami moun sa yo. Se pa sou bra nou seulement kadavri yo. Kadavri yo sou bra nou, sou bra gouvernement tout. Sou bra tout moun l'état ki la ensemble avec nous. Pa découragé. Pa faibli. Konnen que nous derrière nous, n'a pas comparé nous, n'a ensemble avec nous tout pendant mauvais moment ça. Et me profite occasion ça tout pour moi dire communauté internationale là que me profite remercier pour appel de solidarité que me joigne de plusieurs ambassadeurs, appel de solidarité, message de solidarité que me joigne de plusieurs institutions multilatérales. M'a dit que pour les ministres là, il y a à pied d'œuvre, il a travaillé pour que pour le gain toute documentation et l'instruit pour une réunion à l'extraordinaire, on rencontre à l'extraordinaire qui fait pour la parler avec la communauté internationale là, pour le gouvernement vindi communauté internationale là, mais qui ça que nous-mêmes que nous gagnons comme problème, mais qui solution que nous commençons à porter déjà, si nous avons besoin, on coûte même maintenant qui sens que nous avons besoin. Nous connaissons le ministère de la planification à pied de la travail pour que je dis, nous avons un pays côté toute coordination, donc a bien fait en matière internationale. I can't wait to get you under my skin and right back to where we've been. Ooh, nah, nah. Give me a sign and tell me when to begin. Cause every time we leave I'm longing back, back to the place where the lights go down. Just you and I leaving out the rest. Oh, so that I need is you in my bed. Give me a sign more than in your head. Till I saw and I met your eyes. That's why I'm moving close to be here and to get you under my skin and right back to where we've been. Don't tell us that. Give me a sign and tell me when to begin. Cause every time we leave I'm longing back, back to the place where the lights go down. Just you and I leaving out the rest. Oh, l'école là, l'école là, l'école là, année 2005-2006, et qu'on y a un responsable d'école là, au niveau 3e cycle. Donc c'est moi qui coordonne au niveau 3e cycle dans l'école là. Donc hier soir moi-même, mon partenaire là quoi, mais moi-même dans la radio, et que alors l'école là c'est l'école Saint-Gabriel de Gaumont. Ok, l'école Saint-Gabriel de Gaumont, justement qui dirigée par les petites sœurs de Sainte-Thérèse. Donc hier soir l'événement moi-même dans la radio, et que bon, me font j'aime sortir, me frapper quand même, même pas trop victime passer ça. Et puis là me venir l'école là rapide vite, me venir au mère. Et puis là me venir une sœur là, donc j'ai constaté des gars là, l'école là les mêmes qui crasé. Et nous gain bâtiment ça son nouveau bâtiment quand même qui était et classe ça crasé là, ici là gain première année qui environ 48 élèves me penser et puis en l'air nous gain et troisième cycle qui en l'air, donc ça dit que si c'est dans moment l'école ça t'est passé ou qui quantité de gars qui t'a gagné. J'aime vivre événement de vivre avec la peur parce que me de vivre 12 janvier pour au prince et puis nous en l'air car il a daté de 126 ans son ancienne maison et puis l'aime prend tremblement de terre mais c'est moi qui responsable maison. Moi dis sœur on nous courir mais pour nous sortir en l'air pour nous arriver juste en marche escalier me dit ouais difficile. Je dis si pour nous courir car il a capable de tomber avec moi, m'a prêté sous galia parce que plus l'air c'est moi était sous galia car il a tombé me connaît moi pas mourir. Je rester sous galia mais après ça là nous venir sentir les jambes baisser, nous venir descendre en bas. Et puis comme paraît là, j'ai grand pile émotion parce que moi j'étais vivre 12 janvier avec tout petit monde rivière froide qui était mort. Et puis me dit bon Dieu, gardez ça fait pour moi.
si ti moun yo te la jodi an, moi même pa konn sa m tap fè parce que m tap wè tout ti moun sa yo mouri. Et puis c'est ti classe ti pipiti yo ki la, nou gen kinder, nou gen première année, nou gen deuxième année, c'est yo ki tap mouri, m pa konn sa m tap fè parce que ça vraiment affecte m pile les mouè jan situation passé a. Et ça me te vive déjà, me demande bon Dieu fais pas vivre tremblement de terre encore, mais ça dépasse me, c'est pas moi mes têtes moi là. Et puis bon Dieu grand tout, bon Dieu grand parce que lui fait pas de l'école juste ça. We've been here too long, I can't breathe, I can't take it slow, we're far away from home. But I can't wait to get you under my skin and right back to where we've been. Ooh, nah, nah. Give me a sign and tell me when to begin. Cause every time we leave I'm a longing back, back to the place where the lights go down. Just you and I leaving out the rest. Oh, so that I need is you in my bed. Give me a sign more than in your head. Till I saw and I met your eyes, that's why I'm moving close, to be here and to get you under my skin and right back to where we've been. Ooh, nah, nah. Give me a sign and tell me when to begin. Cause every time we leave I'm longing back, back to the place where the lights go down. Just you and I leaving out the rest. Oh, en présence Pilate témoignement d'était passé dans pays il y a commune Pilate frappé en pile section communale frappé tout bon. Section communale la frappé boucle la frappé qui soit qui est en ouais déjà bon Jean ou Kawé comme vous faites comme ça ravin tout peut-être c'est section qui puisse toucher dans événement ça gagné environ 20 cailles ravin environ oui, bilan partiel 20 cailles déjà qui détruit et sans compter ça qui est endommagé ouais et pour centre ville là il y a quelques cailles qui endommagé ouais et en dans section à travers toutes 8 sections grand pile cailles qui touché ça qui détruit et endommagé nous avons toute équipe kazek yo qui dans section a fait travail ça de façon à ce que pour yo ka venir ban nous bilan définitif là pour nous connaître qui ça pour nous produire rapport pour nous voyer aller. Pour la commune de Bilat, j'en suis dit, nous un bilan partiel, nous 20 cas écrasés net et puis plusieurs autres. Section Ravine, oui, commune de Bilat, plusieurs autres ont endommagé. Oui, oui. Mais à travers toute habitation dans la section Ravine, nous avons gagné qui détruit toujours, nous ne pouvons pas connaître, mais nous avons une délégation dans toute habitation qui travaille pour du rapport pour ça, pour donner un cas qui vient là. Ouais, sans compter ça qui est endommagé. Mais pour commune, en gros, toute section est censée toucher. We've been here too long. I can't breathe, I can't take it slow. We're far away from home. But I can't wait to get you under my skin and right back to where we've been. Ooh, nah, nah. Give me a sign and tell me when to begin. Every time we leave, I'm a longing back, back to the place where the lights go down. Just you and I leaving out the rest. Oh, so that I need is you in my bed. Give me a sign more than in your head. Give me
saw and I met your eyes. That's why I'm moving close. To be here and to get you under my skin and right back to where we've been. Give me a sign and tell me when to begin. Cause every time we leave I'm longing back. Back to the place where the lights go down. Just you and I leaving out the rest. Oh, so that I need is you in my bed. Give me a sign more than in your head. Les 6 ans passés, nous sommes venus sur place que le bâtiment n'est pas endommagé. Mais nous croyons que c'est pas dans la réplique là, la nuit là. Parce que c'est une réplique qui passait vers les 2 heures. Nous croyons que c'est là ça que matin, c'est l'aime levé que nous voyons l'école là. Mais c'est après la réplique là, tout ça arrive là. Effectivement. C'est après la réplique là. Mais c'est seulement l'école là qui est endommagée comme ça. Oui, dans l'espace là, l'église là, c'est l'école là. Bon, bâtiment sont là, que vous voyez que son bâtiment a 12 salles de classe là-dedans. Et il y a 8 salles de classe qui fonctionnent. Il y a un participant pour personnel administratif là. Il y a une bibliothèque là-dedans. Il y a une salle professeur qui est là-dedans. Pour classe ça, nous pensons que pour semaine ça, il n'y a pas fonctionnel. Parce que nous avons pensé, nous avons réfléchi. Mais pour l'autre classe, dès mardi prochain, que vous avez pris pour vous. Alors, mais première urgence que nous avons là, c'est jeter bâtiment. Démolition et bâtiment, et c'est ça que nous avons à ce que le gouvernement fait pour nous le plus rapide possible pour nous capables de sécuriser les gens qui sont sous la croix. Il y a plusieurs cailles qui sont vraiment crasées, et heureusement, c'est samedi matin dans la messe là, c'est à l'heure ça que le tremblement de terre a passé. S'il passait plus tard, il y a plus de monde qui t'a dormi, il y a plus de monde qui est endommagé, et s'il passait dans l'école tout, l'on garde ça, presque il y a près de 8 salles de classe. Ça veut dire qu'il y a plus de monde qui est endommagé. Solution rapide là, normalement, que pour l'école là, reprendre rapidement, c'est démolir son bâtiment, et puis comme nous avons espace pour nous faire un abri provisoire, non, un hangar. Et c'est vraiment pour nous faire un hangar pour l'école là, qui va recommencer normalement. I can't take it slow. We're far away from home. But I can't wait to get you under my skin and right back to where we've been. Oh, nana. Give me a sign and tell me when to begin. Cause every time we leave, I'm longing back. Back to the place where the lights go down. Just you and I leaving out the rest. Oh. I saw and I met your eyes. That's why I'm moving close. To be here and to get you under my skin and right back to where we've been. Give me a sign and tell me when to begin. Cause every time we leave I'm longing back. Back to the place where the lights go down. Just you and I leaving out the rest. Oh, so that I need.
you under my skin and right back to where we've been. Give me a sign and tell me when to begin. Bonsoir tout le monde, merci en pile parce qu'avec nous on a le ça sur télévision nationale d'Haïti. Toute équipe là on fait encore content avec vous. Et là on après très certainement retourner sur ensemble l'initiative qui prend après passage tremblement de terre samedi 6 octobre là vers 8h 18h 11 na souhait. Faut que nous souligner depuis le tremblement de terre des fins passées, nous autres au niveau de la TNH, eh bien, nous t'ai assuré nous que nous t'ai partagé toute précision, toute information. Information dans ça qui vient pour à côté épicentre l'antenne, information tout par rapport avec faille qui était libéré énergie, faille qui était en mouvement, faille septentrionale là, puisque ingénieur Claude Prepti, directeur général du Ominac Energia, était en direct, on nous dit bien bonheur matin sous télévision pour te bailler tout détail ça yo. Pendant que tu rappelé, ça fait longtemps, on dit depuis 1842, faille ça li pas libéré énergie, et pendant le dernier jour ça yo, faille ça li paraît très active, d'où nécessité pour que gagne vigilance, d'où nécessité pour gagner des dispositions qui prend par rapport avec questions de construction ou autre. Et puisque au fait, personne ne peut dire qu'il a ou pas de tremblement de terre. Et c'est vrai, c'est pas une fatalité, mais pas qu'à prévoir qu'il l'a privé, même si c'est un phénomène naturel. Alors, il faut que nous soulignions gagner des dispositions qui prennent au côté gouvernement. Depuis le tremblement de terre a fini passé, on cellule de crise qui été campée. Sous instruction du président de la République, Jovenel Moïse, Premier ministre Jean-Henri Séant a annoncé d'ailleurs, il a gagné plusieurs ministères sectoriels qui étaient en dedans. C'est lui ça. Il faut que tu précises, c'est pendant le gouvernement qui est en pleine séance de travail, un week-end de travail, pour que tu aies gagné, joindre en cohésion, harmonie au niveau nouvelle équipe gouvernementale. Ça, et c'était le moment ça, nouvelle là tombée. Et là, disposition que tu es prêt, c'était campé week-end de travail là pour que rapidement, mesures adoptées pour porter assistance, porter secours, bail Silao qui méritait ça, bail zone, bail commune ou bien département qui touchait. Déjà, c'est le Grand Nord qui vraiment touché. On a parlé de département du Nord-Ouest, on a parlé de département de l'Artibonite et département du Nord. C'est, et on nous dit, département qui plus touché par rapport avec information structure protection civile déjà communiquée. Et là, à Soya, dans le cadre de l'émission, ça, nous allons retourner sous département touché avec l'équipe qui était sous place d'ailleurs depuis bien bonheur matin. On a gagné tout très certainement pour nous garder intervention qui fait bon côté président de la République, là, puisque le président de la République, là, bien bonheur, je vous dis, a tout est rendu dans nos premiers temps dans le département Nord-Ouest, particulièrement dans le chef à Port-de-Paix, et le talé tout dans le département de la Tibonite, précisément dans Gros-Mone, qui gagne en pile le bâtiment qui tombait, Gros-Mone, qui gagne des pertes en vie humaine. Et puis, très certainement, gagne de l'autre image qui est capable d'aider nous mieux comprendre comment réalité a été après tremblement de terre, ça, un tremblement de terre magnitude 5.9, c'est plus gros tremblement de terre, nous connaît après, bien entendu, 12 janvier 2010. Première image, on a pas partagé avec vous dans le cadre d'émission spéciale, ça, c'est Port-de-Paix appuyant nous, Port-de-Paix avec Louis-Nel, Jean-Louis, qui d'ailleurs était sous place, on nous dit, depuis bien bonheur matin, sitôt que nouvelle a été tombée, TNH, t'es dépêché équipe Li Gaumont, nous t'es dépêché équipe nous Port-de-Paix, nous t'es dépêché équipe nous nos pays. Point de paix avec Alounel qui pourra dire nous rapidement comment la situation est présentée. Président est dans la zone, plusieurs membres de l'équipe gouvernement, Premier ministre est là, et là déjà gagné des mesures qui sont adoptées pour répondre à besoin moun point de paix et toute zone qui est sous côté yo, après dégâts et tremblement de terre, ça la cause, tremblement de terre samedi 6 octobre 2018. Là. On a suivi pour plus de détails, précision, collaborateur nous, Louis-Nel Jean-Louis, depuis Port de Paix. Téléspectateurs, téléspectatrices, télévision nationale d'Haïti,
J'en ai constaté là, il y a un vent de panique et nous avons dit qu'il soufflait sous port de paix dimanche 7 octobre 2018. Là. Après, nous avons dit aux environs 5 heures, et la population a senti plusieurs secousses, tremblements de terre. Donc nous avons dit qu'il y a un gros panique dans la ville. Côté que j'en ai suivi, il y a un pile de monde qui est obligé à quitter la ville. Il y a un peu de route à pied, il y a un peu de moto, il y a un peu de coquille dans la machine. Donc j'en ai suivi là, en pile moun, en pile maman petite, avec petit yo nan brayo, sac pour motocyclette, sac met valise sous tête yo qui prend route là à pied. Donc y a essayé chercher un côté pour yo abriter yo de manière à ce que pour yo capable pi sûr. Donc c'est comme ça situation a évolué. Nous mêmes équipe télévision nationale d'Haïti qui sous place depuis matin. Donc pour nous là, nous là pour nous faire vivre minute après minute comment situation ça a évolué. Nous ta capable dire après tremblement de terre qui a frappé pays d'Haïti. Dans la nuit samedi 6 octobre 2018 là, côté que ville Port-de-Paix qui c'est une dans ville nous sommes capables de dire qui plus frappé à cause de ça. Panique, pas seulement en Haïti, mais surtout en Haïti, n'est pas trop habitué avec le phénomène de Sayo. C'est vrai que l'Ibral est fondamental. Parce que Guéen, Santa Cabrillé, nous développons une certaine culture du risque. Ça qui permet de nous connaître qui réflexe, qui comportement, qui attitude nous devons gagner le phénomène de Sayo produit. Nous sommes après 12 janvier 2010, la situation était paraît très compliquée. Et là, c'est presque même situation, ça, même réalité, ça nous vive. Hier soir, c'est pas seulement dans le département Grand Noyau, et bien, il y a une panique dans Port-au-Prince et toute zone qui est sous côté Port-au-Prince, puisque nous t'es senti le tout. Ici, il y a dans Delma 33, dans le niveau télévision nationale Haïti, dans le moment où tu as tremblé, et bien, ce coup était assez forte. Et après-midi à tout, on nous dit, ça s'est encabré les repiques, aftershock. D'ailleurs, ingénieur Claude Prépetit a dit le matin en direct sur télévision, hein, le repiques, il y a toujours de faibles magnitudes par rapport avec magnitude de séisme là, et c'est normal, ils sont capables d'arriver n'importe qui là. Là maintenant, et on souhaitait gagner des mesures avec autorité locale et protection civile ou autre pour que caille qui fissuré, caille qui manquait tombé, pour que vraiment on ne pas rentrer là-dedans immédiatement pour éviter de gagner des dégâts après ça qui passé samedi 6 octobre 2018 là. On a toujours été dans le nord-ouest, toujours dans le chef UEA. Équipe nous qui était sur place bien bonheur matin, et tourné pour nous des images qui pourraient permettre nous une idée de comment la situation y est après les passages tremblement de ça, image caille qui est fissurée, image et réalité plusieurs zones dans le département du nord-ouest, particulièrement Port-de-Paix, puisque nous pas suspendre rappeler lui, et puis cent là il était localisé dans la mer et pas trop loin canal la tortue, et là c'est surtout département nord-ouest qui fait les frais en pile caille qui est effondré. Bilan t'a fait état de 7 monde qui t'a perdu la vie pendant le passage tremblement de terre. Et là il gagné des monde qui perdu caillot, des monde qui blessé, et faut que tout nous souligner à côté de caille qui tombé et qui la cause monde blessé, monde perdu la vie, mais monde tout c'est dans courir puisque nous connaît dans moment t'a tremblé, généralement c'est la panique. Et par rapport à la situation de panique, ça créait, eh bien, des gens dans courir, et ça, la cause, et gagner blessé. Et là, nous, dans le centre médical Beraka, pointe des palmistes, institution de l'Union évangélique baptiste du sud d'Haïti, et dans le niveau de l'hôpital ça, un ensemble de dispositions qui te prend pour recevoir les gens qui étaient dans situation difficile, les gens qui blessés, et gagner tout des mesures qui prend. Et hier, on nous dit bien bonheur matin dans le niveau de l'hôpital Immaculée Conception, même si nos premiers temps, et selon l'information que tu es venu joindre nous, même médecins te paraissent très paniqués, ça qui te fait que ce n'est pas disponible, mais par la suite, tu as pris des mesures pour permettre que maladio, monde qui besoin de soins, viennent soins correctement, et surtout dans l'hôpital Beraka, pointe des palmistes, côté équipe nous t'es trouvé pour permettre Imaï Sayo t'es arrivé joindre nous. Là, à côté de dispositions qui prend bon côté responsable hôpital, il y a toutes dispositions que tu prends avec équipe de travaux publics, transport, communication, puisque et déjà gagné de matériel avec la présence caravane, ensemble de matériel
lourd dans la direction départementale pour le travail qui doit être en région et matériel ça est à la disposition, surtout pour l'Artibonite, ce que nous allons pour nous un peu plus tard dans l'académie. Mais là, nous sommes toujours dans le nord-ouest. Image qui tournait dimanche 7 octobre 2018 là. Et là, au niveau l'hôpital Immaculée Conception, l'hôpital Biraka, il y a un ensemble de bâtiments, je ne souligne pas, je ne précise pas, qui fissuré. Voilà, image au cap et montrer nous ça, puisque et on nous dit que c'est le département qui t'a et la cause ou bien qui t'a gagné plus dégâts qui enregistré d'ailleurs. Et puis cette là c'était dans la zone saleté, pas trop loin et la tortue et là et moun dans nord-ouest, selon bilan qui est disponible, selon bilan on nous dit partiel de protection civile, en attendant que yo fin compiler toute information, toute structure de protection civile, yo fin bay tout détail yo. Mais pour nord-ouest jusqu'à matin, 7 moun t'a perdu la vie et gagné pile moun qui blessé, un pile moun qui rendu l'hôpital et qui recevoir soins kayo nécessité. Là, nous prenons la visite président Jovenel Moïse, fait, on nous dit, matin, dans le département de l'Ouest, lui aller dans la délégation, lui rencontrer l'autorité locale, lui prend, on nous dit, connaissance de situation zone, de situation commune qui dans le département après passage parlementaire, de telle sorte que réponse appropriée capable d'apporter. Il y a des instructions qui allaient joindre le Premier ministre Jean Rissien, d'ailleurs, qui a accompagné le président Jovenel Moïse. C'est même une séance de travail qui fait dans le bureau délégation départementale du Nord-Ouest. Et dans le moment séance, eh bien, responsable de protection civile, est présenté à chef l'État, Premier ministre, qui sa situation y est, qui sa réalité y est, mais qui niveau intervention doit être faite, qui genre population zone touchée, n'est-ce pas vrai, et t'a qu'à mériter assistance à autorité dans l'État. C'est entre autres points qui était dans mi-temps rencontre ça qui fait dans la délégation pendant la présence président de la République Jovenel Moïse, Premier ministre Jean Rissien et ensemble de ministres qui d'ailleurs dans la cellule crise là qui était accompagné de l'autorité Sayo dans le département nord-ouest, particulièrement la ville Port-de-Paix Jodia. Et là, nous allons permettre rapidement ou suivre comment ça a pendant la présence président Jovenel Moïse, Premier ministre Jean Rissien. C'était jeudi dimanche là dans la ville Port-de-Paix, chef du département nord-ouest, après passage tremblement de terre samedi 6 octobre 2018 là. Nous venons garder avec genou, nous voyons que c'est l'État déplacé, d'ailleurs tout le gouvernement de la retraite. Et la nouvelle là, nous prenons hier soir, nous connaissons vers 8h11, un grand tremblement de terre de 5.8 dans l'échelle de Richter qui passait sous ville Port-de-Paix, qui passait sous Gaumont, nous gagnons ville de Plaisance et Cap-Haïtien. Et il y a plusieurs sections communales dans le département nord-ouest, dans le département nord, dans le département nord-est, tout parce que ville autour du nord, il y a des gens qui disent que c'est constant et très fort. Mais côté qui y a plus de dégâts, c'est dans la ville Port-de-Paix, dans le département nord-ouest. C'est pour ça, tout l'État nous prend une décision pour nous venir, pour nous débarquer dans le côté Bagalapigavla. Moi-même qui la président, premier ministre, là, ministre intérieur, ministre santé, nous venons, ministre travaux publics, secrétaire d'État, communication, tout le monde, l'État déplacé, secrétaire d'État, sécurité publique, l'État déplacé, il vient prendre charge, il vient garder avec je parle, il vient travailler avec le comité local là, pour nous dire que nous avons profité pour nous féliciter, délégué départemental là avec toute l'équipe là, qui font gros travail. Qui depuis hier soir, par exemple, il y a des gens qui dorment, ils ont campé, qui fait que le premier soin, les gens qui vont te joindre, et moi, bien content, moi, apprendre que le ministre de la Santé a fait me connaître que l'avion ambulance qui est entré, qui vient prendre deux personnes qui étaient plus graves dans le monde qui était dans l'hôpital, parce que qui demandaient des soins intensifs, ils ont fait les gens ça. Par exemple, il y a 5 personnes qui étaient plus graves, mais il y a 2 personnes qui étaient bien pour problème. Mounsa yo gagné en ambulance, vous voulez parler d'un avion ambulance, qui est atterri ministre. Oui, qui est retourné. Il retournait déjà avec Mounsa yo, il est entré pour prendre soin. Et moi, après tout,
Donc, c'est un collègue d'ambulance qui fait hier soir. Ça veut dire bien 5 ambulances qui sont dans la ville là-dedans, 4 travail, toute équipe là marché, tout. Je voulais parler de santé publique, je voulais parler de travaux publics, je voulais parler de intérieur, je voulais parler de affaires sociales à travers FAS, en pile causé qui sur route, en pile provision parce que en principe l'État n'a pas fini de connaître qui ça qui était disponible sur place. C'est ça qui fait l'État prend charge, grand pile provision qui sur route, nous voulons parler de produits alimentaires pour venir en aide à Mounio et délégué départemental là qui va aller pour coordonner tout ça. Et nous connaissons que le bureau pour première dame dans tout, il y a des efforts qui fait dans le niveau du bureau pour première dame nan, qui peut faire que non, mais si y a des gens qui ont un problème, moi connais une délégation qui est déplacée depuis hier soir, ma conseil déjà, qui ont même venir pour soin. L'homme dit ça, nous ne parlons pas de soins médicaux seulement. Ça veut dire pour venir en aide à tout le monde qui est en difficulté. L'armée d'Haïti, qui est même en route, je ne connais pas si première unité est arrivée déjà, le corps du génie, même connaît. Voilà. Le premier ministre dit là, qui est déjà. Et tout le monde, à la honte badé, mettez-nous ensemble pour que nous voyons. Pour le monde nord-ouest, pas sentir seul. Pour tout le monde à travers le pays, je parle de monde qui plaisance, monde qui est au Cap, monde qui est dans le nord-est, pour ne pas sentir seul, l'État d'aide. Et nous prenons charge et nous disons, je dis, son catastrophe naturelle qui arrive dans le pays, son tremblement de terre, c'est le moment pour nous, tous Haïtiens, nous coller les épaules, nous avons la police qui a pied d'œuvre. Moi, je fais qu'après le directeur départemental l'a dit que DCPA a un renfort que vous voyez pour lui qui va permettre tout le monde qui est dans la ville Port de Paix, ville Saint-Louis du Nord, de sécuriser au bassin bleu pour qu'il frappe très fort. Que apprendre. Et DCPA en route avec une unité CIMO, c'est ça, pour venir sécuriser vie avec bien dans la ville Port de Paix. Mais je dis tout le monde, dans le département nord-ouest, dans le département nord, dans le département nord-est, dans le département Atibonite, qui eux-mêmes, qui victimes par passage tremblement de terre, ça va vous garder calme. Nous avons un pile de traumatisme qui est rien, et nous pouvons faire des accompagnements psycho-sociaux, nous pouvons mettre nous en condition pour que nous nous accompagnions. Ça veut dire que nous connaissons pile de monde qui ont peur pour entrer dans la caillou. C'est pour ça que le ministère des Travaux publics a été instruit directeur du laboratoire national des travaux publics et du bâtiment pour voir une équipe rapidement sur place dans toute ville côté qui a des problèmes, caille qui fissurée, monde qui ne veut pas entrer dans la caillou. Pour la laboratoire national, c'est lui-même, j'ai entité l'État ça, qui vous dit, est-ce que Kaysa sont cailles que nous avons là-dedans? Est-ce que Kaysa sont cailles qui méritent de réparer? Et l'État lui-même, à travers EPPLS, je voulais parler, c'est entreprise publique de promotion logement social et tout, qui suppose sous place pour venir garder avec G pour voir comment pour venir en aide à peuple là. Je connais que le premier ministre, lui-même tout, lui a travaillé. Pour le bail, tout ça, toute direction, tout ministère a besoin pour être capable de venir en aide à Moun. Même je dis que jeudi, c'est dimanche, demain matin, son jour de classe, moi, connais que le Premier ministre, il parlait avec le ministre de l'Éducation nationale là déjà, qui vient pour entrer en contact avec le directeur départemental là, pour que visite à le fait rapidement dans toute l'école, pour regarder l'état, s'il y a l'école qui est fissurée, s'il y a l'école qui a un problème. Unité de gestion départementale là pour être capable de venir en aide à directeur l'école Zayo rapidement pour que l'école Zayo ne pas été campée pour que les gens capable de redémarrer l'école à partir de demain matin. Donc on est que dans pile problème, dans pile maman, dans pile papa qui a difficulté, papa, maman qui est écrasé. Donc on est que les gens qui mourent, ce n'est pas les femmes que je vois. Moi, je connais les gens qui sont à 8h10 du soir, ils sont vivants.
Et pourtant, quand nous avons été passé à 8h11, je dis, je ne suis pas là. Je n'en moque. Mais famille Mounzaï, frère, soeur, maman, papa, cousin, cousine, amis, cap gardez là, cap tendez là, connaît que président nous qui sorti la caille nous, président nous qui le li sorti dans pouvoir en 2022, c'est là la tourne. Parce que c'est là le été. Président nous avec nous. Il est avec nous dans mauvais moment ça. Et président nous a passé premier ministre instruction. Il y a instruction pour accompagner nous toutes parents victimes. 11 cadavres qui sont sous nous. Fon babli famille mounzao. Ce n'est pas sous nous seulement cadavres. Cadavres sous nous, sous gouvernement, sous tout moun l'État qui l'a ensemble avec nous. Pas découragé, pas faibli, connaît que nous derrière nous, n'a pas accompagné nous, n'a ensemble avec nous, tout pendant mauvais moment ça. Et je profite de l'occasion ça tout pour moi dire, communauté internationale là, que je profite de remercier pour l'appel de solidarité que nous joignons de plusieurs ambassadeurs. Appel de solidarité, message de solidarité que nous joignons de plusieurs institutions multilatérales. M'a dit que pour les ministres, il y a pied d'œuvre, il y a travail pour que pour gagner toute documentation et les instruire pour une réunion à l'extraordinaire, on compte à l'extraordinaire qui fait pour la parler avec la communauté internationale là, pour le gouvernement, vindi communauté internationale là, mais qui ça que nous-mêmes, que nous gagnons comme problème, mais qui solution que nous commençons à porter déjà, si nous avons besoin, on coûte maintenant qui sens que nous avons besoin. Nous connaissons le ministère de la planification à pied d'œuvre de travail pour que aujourd'hui, nous, mon pays, côté toute coordination, nous a bien fait en matière d'aide internationale. Merci beaucoup. Voilà, pour précision, président républicain Jovenel Moïse était jeudi hier dans la ville Port-de-Paix, département nord-ouest. Après très lointain samedi 6 octobre là, je ne t'ai pas suivi sous écran. Président Jovenel Moïse était avec lui, premier ministre Jean Risséen, plusieurs membres d'un cabinet ministériel là, qui ont même été sous place pour regarder quelle situation présentée et puis rassurer la population hein, et annoncer pourquoi pas des mesures qui à peu près pour porter assistance à ben, moun qui n'a besoin de ça. Chef d'État et tout parler de gens et communauté internationale là s'il voulait intervenir par rapport avec Sagela comme situation c'est à autorité pour qui autoriser et là dès demain doit gagner une rencontre à l'extraordinaire qui est organisée avec partenaires techniques et financiers et c'est premier ministre Jean Rissien qui a gagné pour organiser une rencontre ça et là il a compilé ensemble de données et c'est et l'État qui a dit mais à quel niveau eh ben si communauté internationale là voulait intervenir mais ça peut être. Et c'est eux-mêmes qui pourraient la coordonner action qui pourra le faire souterrain, surtout dans la zone qui touchait par passage à tremblement de terre samedi 6 octobre 2018. Là. L'autre précision nous doit faire pour nous suivre la télévision nationale d'Haïti dans le Sahara, gagner tout des mesures qui prend au niveau de la protection civile pour que yo rive chiffrer tout ça qui passe là. Et là, dans la commune qui puisse toucher, le président a parlé de Saint-Louis. Parler tout de Chansolm, ville Port-de-Paix qui d'ailleurs plus touché dans le département du Nord-Ouest pour que là maintenant, données ça disponible et c'est en fonction de données ça pour que disposition prend, pour que là il accompagne les gens qui sont victimes. Question de l'école là tout, son gomoso et là, président déjà est passé instruction, Jean se souligne là pour que le ministre de l'Éducation nationale là rapidement prend les mesures qui s'imposent pour que Timounio pas perdu jour l'école, puisque quand pile dans l'école yo, qui fissuré, là le est très difficile pour que l'activité de l'école ta reprenne l'espace. Là maintenant, le ministère a pris pour annoncer qui ça reprend comme mesure pour que Timounio capable de continuer sur le coup en bonne et due forme. On a quitté le département nord-ouest, là on a pris la direction nord, puisque nord tout, il y a quelques communes qui ont pris frappe pendant le passage très volontaire. Youn là-dedans, yo, c'est commune Plaisance. On a pris diriger nous rapidement dans l'église Plaisance, là avec collaborateur nous, Richardson Jourdan, qui pourra dire nous rapidement comment ça y est, puisque était Plaisance, comment la situation présentée, surtout dans
dans l'église la matin, hein, nous n'y pas capable de dire la messe là en dedans, et passant c'est sous la croix, puisque l'église a pris un gros frappe, et c'est dans ce sens-là, nous défendons une petite bouche avec curé paroissa. Richardson, dis-nous comment ça y est pour plaisance. Nous saluons tous les téléspectateurs et téléspectatrices de la télévision nationale d'Haïti. Nous trouvons nous connaître là dans le département Nord-Pays, précisément dans la commune Plaisance, par rapport avec le tremblement de terre qui frappe le pays, qui frappe plusieurs côtés dans le pays. Nous connaissons Plaisance, c'est une côté que la population, mon cap vive là, vive vraiment une mauvaise nuit hier soir par rapport avec ça qui arrive. Là, on regarde là, nous devant l'église Saint-Michel-Lacan. L'église Saint-Michel-Lacan, c'est une église qui a affecté en pile dans le quatre tremblements de terre ça qui passait là. Colmea autour, il y a plusieurs cailles qui gagnent dans la ville qui sont endommagées. Nous là, nous venons regarder comment ça est dans la commune Plaisance. Nous allons parler avec mon zone et puis nous n'avons pas la curé par WhatsApp. Nous là, dans la ville là, nous avons visité, nous allons regarder comment ça est et puis tout, nous avons permis à la population une bonne idée de ça qui passait dans la commune Plaisance dans le cadre de tremblement de terre. Can't breathe, I can't take it slow. We're far away from home, but I can't wait to get you under my skin and right back to where we've been. Ooh, nah, nah. Give me a sign and tell me when to begin. 'Cause every time we leave, I'm longing back, back to the place where the lights go down. Just you and I, leaving out the rest. Oh, so that I need. Till I saw and I met your eyes. That's why I'm moving close, to be here and to get you under my skin and right back to where we've been. Give me a sign and tell me when to begin. 'Cause every time we leave, I'm longing back, back to the place where the lights go down. Just you and I, leaving out the rest. Oh, chaque samedi
moi toujours prendre le soin possible pour que moi censé faire tout ça relais entre guillemets on finish la célébration la messe non yo spécialement la messe dominicale yo et tout au plus je dis à ces premiers dimanches du mois donc c'est le moment côté que nous pourrons accueillir disons toute chapelle non yo et que pour nous vivre une grande célébration et à ce moment là monter à l'étage et dans lieu respectif côté que m'a préparé la messe et puis accueillir toute annonce tout ça qui est nécessaire pour que nous préparer la messe pour demain et c'est d'un coup aux environs de 8 heures et quelques minutes environ à l'étage et j'ai habité là ensemble avec moi c'est Abbé Jordani et puis mon que dit Abbé Jordani moi nous entendons un bruit il y a un son qui comme t'apparaît un petit peu désagréable à l'oreille mais nous pas capable vraiment identifier de quoi il s'agit et c'est ainsi moi vinn gagner une intuition qui t'a permettre que c'est quelque chose que me pas habitué avec lui et puis son t'apparaît tant coup c'est une grosse machine un gros camion qui portait en pile fer qui a fait bruit dehors et c'est de là étant moi vinn gagner intuition moi dit Abbé a tremblement de terre en descendre et puis nous filé de côté de Chita pour nous préparer la messe et puis nous descendre dans marche escalier et c'est de là étant nous ouais tout bruit qui gagne dehors, la communauté déjà rassemblée. Et c'est un moment ça, on a gardé l'église, on a gardé le presbytère là. Et puis, on a des gars qui fait dans l'église là. Nous gagnons spécialement la façade principale là. Nous gagnons la partie supérieure là, qui était supportée quoi là. Et bien, les mêmes sont tombés. Toute muraille devant, elle est fissurée. Les rentrées de l'église encore, toutes sont fissurées. Donc, l'église là, c'est une église qui vraiment n'est pas qu'à fonctionner. C'est une raison pour laquelle qui fait que nous rassemblons aujourd'hui pour nous capables de célébrer la messe avec le peuple bon Dieu. Et presbytère, en tant que tel, nous gagnons l'été comme divisé en deux parties. Nous gagnons une partie ça. Et partie qui est à ma droite, c'est un petit peu ancienne. Donc, construction ça qui est vraiment été faite avec roche, brique et puis la chaux vive. Et qui actuellement est tellement fissurée, dehors, tant qu'on est dedans, donc il n'est pas capable d'habiter personne. Et nous avons une partie ça qui est un petit peu à ma droite. Donc, c'est les mêmes qui étaient plus ou moins en construction récente. Donc, c'est là-dedans nous avons plus ou moins passé nuit, non, entre sommeil et réveil. Parce que vraiment, nous avons un petit peu surpris et étonné. Donc, nous n'avons pas de chance vraiment pour être capable de faire dormir après fermer. Donc, c'est un peu ça. Non, moi, tellement de temps à dépasser, pas de monde dans l'église. Ah non, heureusement parce qu'il était déjà dans 8 heures et heureusement nous gagnons un pavé principal là donc comme lui-même les antigens encerclé les clôturé donc fait que tout mur qui sorti hein tout débris qui sorti en les trois là donc il n'est que tombé devant pavé hein, nous capable remarquer ça pas après donc heureusement il était fermé il était fait noir donc ça pas été pas de dégâts en vie humaine. Pour que tu fasses une évaluation des dégâts qui des dégâts oh. Donc pratiquement moi pas faire une évaluation scientifique parce que moi pas dans le domaine non mais le moins rentré à l'œil nu n'importe monde qui rentré et si la même qui capable pas gain aucune connaissance là une fois que le rentré la capable ouais structure visible là il pas capable habiter personne il faut pour capable rassembler toute communauté là dans lui malgré ça passe là ça pas empêcher nous continuer et mais matin là normalement nous dans la cour là bon au fait lui normal parce que père lui-même il pas capable fonctionner en dehors de trois fonctions fondamentales à savoir il est capable d'enseigner, il est capable de sanctifier, il est capable de gouverner. Donc normalement, avec l'Eucharistie, qui c'est une plus grosse prière, hein, que nous-mêmes, bon Dieu, gamètre là, papi de Jésus-Christ est quitté pour nous-mêmes, donc au fait, nous ne sommes pas capables de célébrer la messe. Donc de toute façon, en dehors de l'espace visible là, qui c'est roche, qui c'est mur, d'ailleurs, nous-mêmes, c'est tant bon Dieu, quand nous, c'est tant bon Dieu, hein, donc c'est normal pour que nous créions un espace, trouvions un espace pour que nous célébrions avec le peuple bon Dieu. Et puis, nous avons gagné, à Divo, nous avons gagné une visite communautaire à tout, parce que la communauté a été rassemblée. Non seulement pour porter une curiosité bon, qui paraît naturelle là tout homme mais quand même qui devine porter soutien yo affection yo amitié nous amitié yo sympathie yo bah nous même pour dire comment nous y mon père comment l'église là y est comment ça dit toute communauté est censée rassembler nous gagne magistrat qui passe avec équipe lui nous gagne l'autre encore l'autre autorité civile dans communauté qui est passé ouais nous sommes vraiment satisfaits de ça jusqu'à présent bon en attendant que nous continuions à faire et à continuer à réunir dans la cour avec fidèle ah bon au fait oui mais tout dépend comme nous connaît proverbe que l'a dit ça y est ce que l'a dit quand il coule et tromper soleil, il va tomber la pluie. Donc peut-être les antigens bonheur, il est capable plus ou moins facile et possible pour nous capable réunir dans la cour. Mais là, nous sommes en période d'intempérie, étant donné octobre-novembre, pour attaquer mi-décembre, pour gagner un peu de la pluie. Donc déjà la pluie commençait, donc nous pensons qu'il est capable vraiment, il pas facile. Mais on a toujours tenté, à chaque fois, il y a une possibilité, on a tenté parce que c'est mission. I can't take it slow. We're far away from home. But I can't wait to get you under my skin and right back to where we've been. Ooh, nah, nah. Give me a sign and tell me when to begin. Cause every time we leave I'm a longing back. Back to the place where the lights go down. Just you and I leaving out the rest. Oh, so there
when I met your eyes. That's why I'm moving close. To be here and to get you under my skin and right back to where. Nous sommes dans le nord du pays, dans Plaisance, précisément dans l'église Saint-Michel. Matin, Fidelio, pas capable de vivre la messe dans l'église là. C'est sur la croix, puisque l'église a grand appel dans l'image. Prend pile frappe suite à passage, tremblement de terre, 6 octobre là, et curé par Wassasso Dinouli là. Je prends disposition pour que c'est dans la cour de l'église là, côté dit la messe là, journée jeudi là. Retourner sur comment n'est-ce pas réalité a été ailleurs au soir d'un moment théâtre a tremblé en rappelé magnitude là 5.9 arrivé en divers 8h11 et puis cette lance était localisé dans le mer ça que t'apprend la quelques minutes après question alerte tsunami mais vous t'étendez sur télévision nationale d'Haïti d'ailleurs nous t'es là et depuis vers minuit on nous dit le matin pour nous faire le point sur ça que t'es passé avec ingénieur Claude Préptique t'es souligné pour parler de tsunami. Et la fuck magnitude là t'es pigro et il dit tout si t'as gagné si t'as pris les 15-20 minutes après et t'es à tes fines tremblé et ingénieur Préptique t'es tenu à faire précision ça et nous t'es assuré que eh ben mounio dans la population t'es tendé à précision ça pour éviter plus panique surtout dans zone qui est plus touchée. On a parlé de département nord, on a parlé de département l'Artibonite, on a parlé tout de département nord-ouest. On a toujours été dans le nord et là on a gagné pour nous tendre précision responsable protection civile dans département ça qui lui-même prend le partage avec nous qui ça en termes de données suite à séisme 6 octobre là qui sa intervention était bon côté responsable protection civile yo, pour permettre que moun qui victime yo joigne assistance et dans qui niveau il a organisé opération de secours yo. On a suivi pourquoi il est là précision une responsable protection civile dans région nord pays il t'a répondre question Richardson Jourdan depuis au Cap Haïtien. Nous profitons pour nous capables de remercier Radio Télévision Nationale d'Haïti qui à chaque fois toujours profiter l'occasion pour capable ouvrir antenne pour nous-mêmes pour que nous soyons capables de parler comme coordonnateur technique protection civile dans le département nord. Nous sommes capables de dire après ce coup-là que nous connaissons qui passe dans la région nord là et dans le département nord précisément. Nous avons plusieurs dégâts que nous avons enregistrés. Nous avons des communes comme Plaisance, Pilate, Boy, qui sont des communes côté que nous avons en pile maison qui fissurée, une maison qui endommagée et fortement dit nous avons en pile maison qui détruite. Et pour blesser, nous avons plusieurs monde qui blessés. Pour seulement commune Pilate, nous avons environ 15 monde qui blessés. Mais en termes de perte en vie humaine, nous capable dire nous pas enregistré aucun cas en perte en vie humaine. Donc, en gros, pour les communes qui sont affectées pour le moment où nous avons parlé là, nous sommes capables de citer Port Boy, nous sommes capables de citer Plaisance, Pilate, nous sommes capables de citer les communes en cours Quartier-Morin. Mais à part des communes là, nous n'avons pas gagné l'autre commune qui enregistre gros dommages. Mais même les pas gagné mais maisons qui détruites encore qui endommagées dans certaines communes, mais à cause des paniques qui étaient gagnées au niveau population, gagnées dans l'autre commune, surtout qu'à Paysien, pour des gagnées, plusieurs monde donc qui étaient arrivés blessés. Donc nous connaissons par rapport à 12 janvier 2010, gagnées des monde qui avaient à Port-au-Prince pour le moment qui avaient dans le nord. Donc ça a créé vraiment une situation de panique totale au niveau département nord là. Ça a nous capable de son bilan partiel. Et côté que nous là, donc c'est coude là donc qui est activé, côté que depuis matin nous là, nous avons travaillé, nous avons communiqué avec différentes communes pour que nous capables de des données qui peuvent permettre que nous-mêmes nous faisons un rapport, nous élaborons un rapport qui va dire exactement qui s'est passé dans telle ou telle commune, côté que avec appui magistrat, nous avons tous les vice-délégués, nous avons le comité communal de protection civile qui fournit des informations qui peuvent permettre que donc rapport ça nous capable finaliser dans la minute qui vient là pour que nous capable partager avec le niveau central. Rapport que nous allons finaliser, ça va dire c'est le premier rapport, c'est le premier contact nous avec et autorité encore et
niveau hiérarchique nous. Donc nous parlons ensemble avec nous, nous fournissons déjà des informations, des données, et dans le rapport que vous même sorti, dès qu'on premier rapport, un deuxième bilan qui vient sortir pour que pour le département Nord, il y a certaines informations qui sorti et rapport que nous parle préparer là parle permettre qu'il y a beaucoup plus d'informations pour que dans prochain rapport, le prochain bilan que vous parle sortir. Donc nous même pour que le département Nord gagne des informations qui beaucoup plus donc détail. Nous capable dire pour le moment avec événement qui passé là, donc gagne des monde qui trouve donc à région famille, gagne des pour question tremblement de terre, nous va rentrer monde en bas provisoire pour que nous va mettre en bas. Donc c'est des points de rassemblement. Donc nous-mêmes nous identifions déjà surtout au niveau commune Cap-Haïtien. Donc Mounsila, donc c'est des gens qui trouvent dans des espaces, dans des maisons que eux-mêmes sentent que eux-mêmes plus confortables, que eux-mêmes sont capables d'être pour un certain temps avant que eux-mêmes retournent dans la vie normale. Bon, nous capables de côté nous est là, donc c'est rapport. Donc nous on est au niveau gouvernement, il y a des efforts qui déploient pour que donc soient capables d'arriver toucher donc différents mondes dans la population qui arrivent toucher. Pour le département Nord, c'est sûr que à partir des jours d'hier pour demain, donc il y a des efforts à partir des rapports, donc qui pourra permettre que vous ayez une idée de qui zone qui peut toucher et besoin autour qui savent. Nous avons une commune Grand Rivière du Nord, nous avons deux églises catholiques qui et touché à Grand Rivière du Nord. Nous avons l'église catholique comme il y a un côté qui a un mur qui tombe. Nous avons l'église catholique qui est dans le centre-ville même. Donc, nous avons un mur qui fissuré. Toujours dans la commune Grand Rivière du Nord, nous avons un boulanger donc, qui est détruit complètement. Nous avons une maison qui est bon, propriétaire de M. Victor, donc, qui est fissuré, tout mur fissuré. Nous gagnons tout et l'autre maison encore qui arrivait fissurée au niveau des Grand Rivière du Nord. Mais pour blesser dans la commune Grand Rivière du Nord, c'est zéro. Donc c'est tant de dégâts que nous-mêmes nous enregistrons dans le département Nord. Et surtout, pas oublier que nous disons Pilate, c'est une commune qui peut toucher surtout dans la troisième section qui sera une trompette. Et Quatre-Morin, donc nous gagnons. Au niveau de Quatre-Morin, nous disons deux maisons même qui touchées. Nous gagnons une maison qui détruite et puis nous gagnons l'autre maison donc qui est clôturée, donc les mêmes y tombent. Ça c'était bilan, une responsable protection civile dans le département d'Ontario a partagé avec nous, bilan partiel bien entendu, très certainement, et on nous dit lundi, mardi, et déjà après le film compilé toutes les données, et là pour être capable de gagner un bilan définitif suite à un passage à tremblement de terre 6 octobre là, pour rejoindre Noa et la commune qui puisse toucher selon responsable là, qui a répondu à une question, Richardson Joudan, c'est Plaisance, c'est Boy, c'est Pilate, il parlait tout de Grande Rivière du Nord, il a vu le cap haïtien par rapport à panique qui était gagné, puisque quand pile monde, Jean Gabdilan, qui était pas au prince 12 janvier, dans un moment tremblement de terre 12 janvier, et là, il n'y a pas de revivre la même expérience, ça, et ça fait un pile là-dedans, il était couru, et là, dans couru, ça arrivait gagné qui blessé, mais au fait, jusqu'à présent, selon le responsable, là, pas gagné monde qui perdu la vie, tenant compte de ça, il arrivait gagné comme donné. Nous prenons le pilote quoi il est là, puisque c'est une commune de Noa qui a attiré un pile attention. Après passage tremblement de terre ça et grand pile de gars et ont été signalés qui a enregistré dans le niveau pilote et c'est pour ça TNH te dépêche en équipe. Je vais dire exactement comment la situation est pilote, qui sa réalité exactement, qui sa besoin ou yé, qui gens ben et mon Dieu te vive un moment ça et qui sa ou quoi que tu as mérité faire pour porter assistance à si là aucun difficulté. Richard son jour d'après répondre question ça au collier. I can't take it slow. We're far away from home. But I can't wait to get you under my skin and right back to where we've been. Ooh, nah, nah. Give me a sign and tell me when to begin. Cause every time we leave I'm longing back. Back to the place where the lights go down. Just you and I leaving out the rest. Oh, give me a
when I met your eyes. That's why I'm moving close to be here and to get you under my skin and right back to where we've been. Give me a sign and tell me when to begin. Cause every time we leave I'm longing back, back to the place where the lights go down. Just you and I leaving out the rest. Oh, so that I need is you in my bed. Give me a sign more than in your head. Et là, il y a une petite vidéo, c'est une princesse. Il y a témoignement de passer dans le pays. Il y a commune pilote frappé en pile, section communale frappé tout. Bon, section communale a frappé, boucle a frappé. Qui soit qui est en haut déjà? Bon, Jean-Ou Kawe, comme vous faites comme ça, Ravinto, c'est la section qui puisse toucher dans l'événement ça. Gagné environ 20 cailles. Ravindo, environ, bilan partiel, VKI déjà qui détruit, et sans compter ça qui est endommagé, ouais. Et pour centre-ville, il y a quelques cailles qui sont endommagées, ouais. Et dans la section, à travers toutes 8 sections, il y a pile cailles qui sont touchées, ça qui détruit et endommagé. Nous avons toute l'équipe Kazek qui, dans la section, a fait travailler ça de façon à ce que pour nous venir un bilan définitif là pour nous connaître, ça, pour nous produire rapport pour nous voyager aller. Pour la commune Bilad, j'en suis dit noir, un bilan partiel, nous, 20 cas écrasés net et puis plusieurs autres. Section Ravindo. Oui, commune Bilad, plusieurs autres t'as endommagé. Oui, oui. Mais à travers toute habitation dans la section Ravindo, il y a des gens qui détruisent toujours, nous ne pouvons pas connaître, mais nous avons une délégation dans toute habitation qui travaille pour du rapport ça pour nous. Peur qui est venu là, oui. Sans côté ça qui est endommagé. Mais pour commune, en gros, toute section est censée toucher. We've been here too long. I can't breathe, I can't take it slow. We're far away from home. But I can't wait to get you under my skin and right back to where we've been. Oh, nah, nah. Give me a sign and tell me when to begin. Every time we leave, I'm a longing back, back to the place where the lights go down. Just you and I leaving out the rest. Oh, so that I need is you in my bed. Give me a sign more than in your head. Lonely together at its best. Oh, let me know now. Let me know now, now, now. Give me a sign. Until I saw and I met your eyes. That's why I'm moving close to be here and to get you under my skin and right back to where we've been. Give me a sign and tell me when to begin. Cause every time we leave I'm a longing back, back to the place where the lights go down. Just you and I leaving out the rest. Oh, les 6 ans passés, nous sommes venus sur place que le bâtiment n'est pas endommagé. Mais nous croyons que c'est pas dans la réplique là, la nuit là.
parce que tu as une réplique qui passe pour les 2 heures. Nous croyons que c'est là que matin c'est l'aime levé que nous voyons l'école là dans l'état ça. Mais c'est après la réplique là, tout ça arrive là. Effectivement, c'est après la réplique là. Mais c'est seulement l'école là qui est endommagée comme ça? Oui, dans l'espace l'église là, c'est l'école là. Bon, bâtiment sont là, que vous voyez que son bâtiment a 12 salles de classe là-dedans. Et il y a 8 salles de classe qui fonctionnent. Il y a participé pour personnel administratif là. Il y a une bibliothèque qui là-dedans. Il y a une salle professeur qui là-dedans. Pour classe ça, nous pensons que pour semaine ça, il n'y a pas de fonctionnel. Parce que nous avons pensé, nous avons réfléchi. Mais pour l'autre classe, yo, dès mardi prochain, que vous avez pris pour vous. Alors, mais première urgence que nous avons là, c'est jeter bâtiment. Démolition et bâtiment, et c'est ça que nous avons à ce que le gouvernement fait pour nous le plus rapide possible pour nous capables de sécuriser les gens qui sont sous la cour. Il y a plusieurs cailles qui sont vraiment crasées, et heureusement, c'est ça que nous avons dit. Maintenant, la messe là, c'est à l'heure ça que le tremblement de terre a passé. S'il passait plus tard, il y a plus de monde qui t'a dormi, il y a plus de monde qui est endommagé, et s'il passait dans l'école tout, regardez ça, presque au gain près de 8 salles de classe, ça veut dire qu'il y a plus de monde qui est endommagé. Solution rapide là, normalement, que pour l'école là reprendre rapidement, c'est démolir son bâtiment, et puis comme nous avons espace pour nous faire un abri provisoire, non, un hangar. Et c'est vraiment pour nous faire un hangar pour l'école là, ça va recommencer normalement. I can't take it slow. We're far away from home. But I can't wait to get you under my skin and right back to where we've been. Ooh, nah, nah. Give me a sign and tell me when to begin. Cause every time we leave, I'm longing back. Back to the place where the lights go down. Just you and I leaving out the rest. Oh. Commune Pilate, et nous avons gardé ensemble qui Jean, des gars ouillés et des gars qui ont enregistré surtout au niveau bâtiment. Et c'est sûr qu'il faut une évaluation qui est faite pour permettre que vous connaissez qui ça a fait avec eux, est-ce que vous allez démolir ou bien renforcer et bâtiment ça, pour permettre que si à la longue tu as gagné de l'autre secousse pour éviter de gagner un monde qui est utile. Là, au fait, focus ça, là, de mettre plus sur l'école.
que faut activité scolaire va poursuivre et détendre pendant l'intervention du président républicain Jovenel Moïse l'aide dans le nord-ouest port de paix jeudi à quoi que faut rapidement des mesures qui prend et ministre éducation nationale là de là travail pour faciliter activité scolaire reprendre zone qui touchée surtout côté gagner l'école parce que dans pile la gagne l'école là la difficile pour que écoute ta fête en bonne et due forme demain et la faut gagner des mesures qui prend pour permettre que timoun ça yo ka continuer suivre cours même si c'est pas dans espace l'école yoté enfin n'a avancé n'a continuer que regarder ensemble qui genre réalité zone qui touchée ou yé dans cadre émission ça émission qui très certainement voulait qu'embé nous connecter voulait qu'embé nous informer et déjà partager avec nous le serait son bilan provisoire hein sous situation Grenola puisque c'est trois départements qui puissent concerner qui puissent toucher pendant passage à travers ça département l'Artibonite département de l'Ouest département du Nord là la parole dans l'Artibonite nous prend gros monde nous sommes matin la première émission TNH réalisée vers minuit 1h nous t'ai parlé avec député circonscription Fritz Chéri et dans le moment t'a parlé avec là c'est moment t'ai gagné équipe CNE équipe TPTC qui t'a déblayé et là t'ai gagné des mounes t'ai recensé qui perdu la vie avec image qui va arriver là nous prend une idée de situation dans zone auditorium gouverneur d'ailleurs auditorium ça bâtiment ligne t'a dit pas exister encore quelques monde qui dans zone là quelques monde qui te connaît fréquenter espace là t'es profité par là que nous n'a pas entendu ça on te dit dans micro équipe TNH te dépêcher sur place après passage tremblement de 6 octobre 2018 là. Ça et puis moi t'es chita la caille moi et puis brusquement moi senti qu'on gros force qui se fait sous chaise là coup et puis il fouille m'en l'air et puis me plonger saute dehors de gagne de l'autre Simon avec moi yo gagne t'envie joindre moi et puis me camper devant non on côté qui pas gagne trop mur et puis me garder poteau électrique qui cap tomber mais son bagage qui durait environ 4 secondes parce que il va me penser pas plus que ça. S'il t'a plus, mon cher, on t'a dit que Gomond t'a crassé totalement. S'il t'a plus. Mais sous des comme nous campé là, qui bâtiment que t'es là exactement. Ça c'est auditorium non, c'est côté que campé gros activité qu'on fait là. On connaît. Donc plus gros activité, programme, DJ, artiste, gros conférence qu'on fait là, enterrement tout, en pile funérailles chanté là. Mais pas pendant la soirée, est-ce que tu as des gens qui étaient dans l'auditorium? Bon, pas de gens, c'est bon Dieu qui fait que c'est dans l'air ça va passer. Tu as dit clair, si c'est non, l'air enterrement, bah, ça va passer, bah, il est net. Donc, tu as dit clair, pas de gens qui sont là. Tu as gagné environ un grand monde qui nous joignent, qui est mort. Tu as gagné l'autre monde qui nous joignent, qui est grave, qui est blessé grave. C'est deux gens qui étaient là, mais forme tout clair, son espace. Si c'est non leur enterrement ou activité sur bail enfin en bail terre. Alors où c'est mon zone non bon bah, assurément que vous avez visité plusieurs côtés dans zone déjà qui côté après auditorium non ou même constater déjà qui et gain dégâts fait là dedans. Gagne zone rue Salomon dès l'hôpital là qui crasé en pile gain petit monde qui mouri. Nous pas connait qui quantité nous pas regarder là ensemble. Gagne tout un paquet l'autre caille même si yo campé mais il faut que t'a démoli parce que yo ont des gens brancal yo n'importe là on va tomber n'importe c'est quoi ce calage ou à terre c'est un chita là calam tande cala trembler l'aime moi dit Jésus 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 sauve-moi l'aime garder moi ba la vie plus fort
Là même tes gosses petites qui chita sous cabane dans la salle là, là même prendre voltigel, on camper dans mitan la quoi. L'aime camper dans mitan la quoi, c'est cougnant de Dakar, il a fait des gars, même temps de converser lié. Chaque bouche là même temps de chambre là, quatre panneaux sorti tomber en dedans chambre là, pas en dedans tomber. L'aime garder encore dans salle là encore, l'aime garder de grand galerie, même temps de bim, l'aime garder moi c'est deux panneaux qui tomber en bas galerie. L'aime garder Lem gade me dit Jésus sauve me ça qui passe comme ça. Lem gade yo dit mon cher go voisine qui rele mon Dieu sel dit grosse peine. Ou fatigué tout me dit oui, kaila crase net mon Dieu sel. Combien kaila pendant que tomber, gen 8 pendant qui tomber dans kaila. On capable douce dans la rue moi et dans la rue moi avec 4 petites dans la rue moi. M'pa connait si passé, m'pa connait si la passe encore, m'pa connait. C'est Jésus qui connaît. We've been here too long. I can't breathe, I can't take it slow. We're far away from home, but I can't wait to get you under my skin and right back to where we've been. Là c'est réalité moun ka viv dans zone auditorium gros monde qui prend gros frappe hein, et en pile bâtiment est fissuré, le bâtiment tombé, et c'est le cas pour auditorium ça qui parle encore. Ils entendaient une citoyen qui t'a dit nous qui gens sur espace qui t'ont accueilli spectacle, conférence et même l'enterrement, et heureusement ils soulignaient pas de très grand monde, pas d'activité dans espace là hier soir non moment et tremblement de terre, et qui fait vraiment pas une routine. Et même si on nous dit dans Goumon il y a des cas de mort qui recensés. Selon données après point de paix, Goumon est une commune qui t'a vraiment touché en pile suite à passage séisme 6 octobre 2018 là. Pendant citoyen ça t'a réagi, il t'a parlé de l'autre zone dans Goumon qui en difficulté côté des cas qui fissuré, des cas qui tombé, des monde qui blessé, et une zone qui t'a parlé c'est Rue Salomon. Et ben équipe TNH, Bill Casséus, Pierre Dumino Hippolyte, Monsieur Tiranio, Naoui Salomon, et vous avez une image, vous pouvez partager avec nous l'image, vous avez tourné pour nous, sous réalité, Rue Salomon, dans Gros Monde, département de la Tibonite, après passage complémentaire. We've been here too long, I can't breathe, I can't take it slow, we're far away from home. But I can't wait to get you under my skin and right back to where we've been. Ooh, nah, nah. Give me a sign and tell me when to begin. Cause every time we leave I'm a longing back, back to the place where the lights go down. Just you and I leaving out the rest. Avec toi tu m'en as, Léon qui t'es couché, Pipi t'es accouché en bas avec moi. L'aime tant de ton lap souqué. M'prends moins voix et sur épaule moins. Mais wash yo get en tombé sous tête moins. Yo tombé sous timoun yo. Gen de timoun qui couche à terre. Le timoun yo couche à terre. M'longe pipiti ya. D'un de voisin qui vini. M'longe pipiti ya. Non bout de mi qui tombé. Porte la pas encore ouvri. Le porte la l'aime fin longe. M'prends ti fi ya. M'souke m'level. Ti garçon en lui même. Li gen on seri ba y qui tombé sous deux. Il l'en fait noir. Se rale m'rale pour sauti. I can't take it slow, we're far away from home. But I can't wait to get you under my skin and right back to where we've been. Ooh, nah, nah. Give me a sign and tell me when to begin. Cause every time we leave I'm a longing back, back to the place where the lights go down. Just you and I leaving out the rest. Oh, so that I need is you in my bed. Give me a sign more than in your head. Lonely together at its best. Oh. Let me know now. Let me know now, now, now. Give me a sign. Let me know now, now, now. Let me know now. Let me know now, now, now. Give me a sign. Let me know now. Never needed love until I saw and I met your eyes. That's why I'm moving close to be here and to get you under my skin and right back to where we've been.
pour moi maintenant. C'est à peine moi t'ai dehors m'a rentré et puis moi pendant là pour montrer moi le ville bruit moi faire un bruit. M'allé me font petit bac, m'allé pour m'entrer pour me sortir mais quand là bam dès envie de plonger. Maintenant moi m'ai gagné deux petits temps avec maman yo. Bon t'ai gagné qui était mort sur place. Maman était à l'hôpital depuis hier soir et était gagné un matin qui était l'hôpital là hier soir, m'était venu avec elle. Matin m'était allé travailler 100 ans même, t'ai retourné l'hôpital là avec encore. Docteur était presque mis en série de bail, m't'acheter pour lui juste pour qu'à bal soin matin là. Son cas qui gagne étage sous lui. Ou un cas qui gagne étage. Et quand là c'est m'était en bas, gon l'autre partenaire qui était en l'air. C'est en l'air qui plongeait tout en bas ensemble. Oui, tout plongeait sur mon yo. Pour maman Konya, docteur a été pensé tête lui était fan, gon côté moi la baisse jusqu'à présent parce que docteur a été seulement grand pile mon nom mais il pas de baisse soin. C'est pensé on pensait tout le monde pour aujourd'hui abri était tourné mais par rapport qu'on allait venir connait petite là mourir bon. Bagay tout à fait me bloqué en bas bagay là jusqu'à présent. Non encore au monde qui parlait avec moi encore au monde. Député a quitté passé là, il était venu garder bagay yo, un billet était bon la main, il était venu prêter en contact ensemble avec we've been here too long. I can't breathe, I can't take it slow. We're far away from home, but I can't wait to get you under my skin and right back to where we've been. Ooh, nah, nah. Give me a sign and tell me when to begin. Cause every time we leave, I'm longing back. Voilà, c'est comme ça, et réalité a été au niveau rue Salomon, commune de Gromont, département la Tibonite, et réalité qui n'est pas du tout facile. Et là, et c'est une bonne occasion pour que l'opération de secours, et pas printemps, pour arriver, pour capable aider Silao qui est en difficulté. Mais là, c'est vrai, il y a besoin côté priorité, il y a besoin qui choisit pour manger, mais tout besoin de appui psychologique. Parce que, en fait, après, il y a fin garder, vivre réalité ça. Et là, maintenant, pour que le moral retourne au beau fixe et pour que soit capable de reprendre, n'est-ce pas, réactivité. Yo. Et je pense que les psychologues, les travailleurs sociaux, gagnent place tout dans le cadre de toute mobilisation qui a fait journée jeudi pour accompagner les victimes. Surtout si là qui vraiment soit perdu famille, perdu proche et perdu certains comme bien. N'a pas continué, n'a toujours été dans le département de la Tibonite. Là nous parlons avec le député de circonscription Gomana, Fritz Chéri, qui lui-même depuis la nuit là t'a pas sûr que ligue contrôle situation, garder qui ça en termes de dégâts, ouais qui réponse qui t'a loué poté avec l'équipe TPTC CNE river faire river déblayer espace qui méritait faire ça. Vraiment, en pile de travail, bon côté député Fritz Chéri, qui lui-même pourra dire exactement qui j'en saillé par rapport avec sa lien comme données pour circonscription liant et qui qualité aide qui t'a dû rapidement acheminer pour Moun Gomon après passage tremblement de terre 6 octobre-là. Précision, député Fritz Chéri, t'a préparé une question Johnny Abikaseus avec Pierre Duvigneux Hippolyte. Hier soir à 8h, l'événement passé, immédiatement nous prenons la rue, même pas capable ouais ampleur des gars. Et moi, j'étais seulement dirigé, bon, auditorium, là, qui était à terre plate. Et là, arrivé immédiatement, donc nous avons fait contact avec le monde dans le pouvoir central là, qui était parce que la première stratégie, puisque c'était le monde, je te dis, qui était en balle, c'était ouais comment nous étions capables d'arriver extrêmement ça. Et heureusement, c'est pas de grand pile monde, son grand seul monde seulement qui mourit, qui est en balle. Et nous, avant matériel vini, nous avons utilisé moyen panneau pour nous extraire mon nom. Et finalement, nous venons joindre toute qualité matérielle qui permet que nous lever tout débris. Donc nous faisons une nuit là entière. Nous commençons à 10h30, nous finissons matin à 6h. Et depuis 6h à tout, moi m'a fait un tour d'horizon dans toute ville là. Parce que pas seulement ville là qui touchait, il y a une 8e section Ravine Gomon qui touchait. Hier soir, tout le monde était dans la priorité parce que caillou endommagé. Dans la 4e section, même l'église catholique là, à terre plate. Donc tout caillou crasé net. Donc moi-même, je ne pas penser que la situation était aussi grave que ça. Moi-même, avec le ministre Thomas, nous sommes constatés. Non, c'est le rue côté d'ailleurs, il y a un caillou qui est tombé. Il y a un monde qui mourit, son petit monde. Un petit monde que. Vendredi, je vais payer l'école pour lui.
qui mouri et moi tout lui a censé pas gain yokai côté que yon moun capable passer en nuit parce que tout kayo sac pas tombé sac qui fissuré et ça qui présentait de gros malheur bon Dieu et m'dou que m'pas passer en pleur des gars grave comme ça parce que finalement me senti que gros monde touché à plus que 75% donc qui m'a donné intervention d'urgence vraiment d'urgence des techniciens premièrement pour faire un constat pour capable permettre que nous identifier qui caille que mon yo capable de continuer habiter et qui caille qui t'a interdit pour mon yo même fréquenter voir pour ta bien dormir dedans parce que le ou frappé par un tremblement de terre donc attendre a bien de petits secousses de temps en temps donc gain de caille même l'orel campé et bien c'est son malade qui campé donc moi c'est Joanne Zolal li nécessité une intervention à plus haut niveau pour permettre que bien mon yo qui était déjà dans situation difficile économiquement difficile pour capable comment capable sortir de la situation que vous est là parce que tout le monde dans la rue tout le monde dans la rue depuis hier soir donc faut que le gouvernement bien matin même t'as capable d'intervenir et faut que nous dit tout que le président de la République relève à plusieurs reprises, le premier ministre relève à plusieurs reprises, qui a facilité de jouer le matériel rapide d'hier soir, et qui a mobilisé un équipement TPTC, équipement CNE, qui permettent que nous fassions travail de titan pour que nous arrivions à lever un bâtiment qui était à terre plate là. Intervention en urgence, selon précision député gouverneur Fritz Chéri, là qui t'a fait état de comment des gaillots considérables. Un pile roule passé dans Gomon, et c'est vrai que quelqu'un qui pas tombé, mais là, la difficile pour quitter Mounou en train de faire ça, parce que le fissure un pile, d'où nécessité pour rapidement une évaluation qui fait pour qu'on ait qui ça a fait, est-ce que c'est les cas qui ont crasé totalement, là pour empêcher gagner victime, puisque capable de gagner réplique. Jean, ça a été fait hein, après-midi, à divers 4 et était gagné une réplique et après réplique ça il était entendu tout à l'heure mais intervention collaborateur de Luminel qui était porte-paix ça t'a fait un pile panique qui était créé et surtout dans une zone qui touchait en pile suite à passage tremblement de terre ça n'a pas continué n'a prêté dans le département de Simonite toujours dans gros monde puisque après porte-paix c'est une commune qui a un pile dégâts qui enregistré là nous parlons parler avec agronome Thomas Jacques qui est coordonnateur et caravane changement ensemble de matériel. Et surtout que l'événement était produit, qui était déjà dépêché, qui t'a permis de faire déblayer et permettre que vous répondre avec urgence qui t'a gagné dans le moment ça. Et bien, agronome Thomas Jacques, pral bay tout détail autour de dispositions que tu prends et autour de ça qu'a gagné pour faire que, très rapidement pour aider Silao qui n'a besoin suite à passage à CIS le 6 octobre. Agronome Thomas Jacques, toujours dans le micro, Johnny Abika CIS avec Pierre Duvigneau et Hippolyte. Hier soir, que nous apprenons que c'est islam passé dans le pays et notamment Goumon qui était frappé en pile. Mais tout de suite, nous sommes rentrés en communication avec tout TPTC et pour permettre que ensemble d'équipements et caravanes qui travaillent sous Terre-Neuve, qui travaillent sous Gonaïve, et nous sommes mobilisés pour que rapidement ils viennent sous Goumon pour capable aider. Aider dans le sens parce que il y a un auditorium Goumon qui est tombé. Mais c'est grâce à l'équipement ça qui permet que vous déblayez rapidement toute la nuit dans le terrain. Et là actuellement, nous avons gardé ensemble de maisons qui fissurent, des familles qui pour diable caillou crasé. Donc pour ça, nous pensons que nous allons rentrer en contact rapidement ensemble avec le reste gouvernement pour permettre que y ait une dénombrer quantité de maisons qui fissurent, quantité de maisons qui méritent pour démolir tout parce que des maisons n'ont pas arrêté en dehors encore. Donc dans ce sens ça, c'est tout support ça que l'équipe caravane a porté pour permettre que l'État ensemble de services publics qui est capable de porter service par la population le plus rapidement possible. Pour le présent moment, ce diagnostic, c'est information que nous avons recueilli. Avec délégué départemental, toute la nuit, nous sommes en contact ensemble avec lui, lui-même l'a privé là. Et puis, en même temps, tout, nous parlons avec protection civile pour permettre que y aller dans toute zone qui a des difficultés, notamment gen la cul qui frappe en pile, ou des autres zones encore dans la commune Gomonan qui frappe, et bien, vous pouvez faire et dénombrement de maisons, qui familles qui touchent, pour permettre que l'État soit capable organiser pour
que so, et m'daga di support pa yo bay famille ça qui touché parce que gen nous sot gade des série dames là qui frappé dans pied gen des familles gen des moun nous connaît yo perdu yo membre dans famille yo là nous dans l'école seul là ouais bâtiment ça li tombé donc tout ça et bien nous pral recueillir ensemble des données ça pour permettre que l'état capable organiser et rapidement porter support bay population ça bay famille ça qui frappé nous connaît tremblement de terre là li frappé yo li durement frappé yo et reconfort là dans sens que pour capable bekembe et n'a pral garder comment l'état à travers d'ailleurs président de la république là li pral visiter toute zone ça et à partir ensemble d'informations que nous pral recueillir là et bien l'état pas blio l'état porter support par yo. L'autre bâtiment nous avons visité dans le niveau commune Gomone, c'est l'hôpital Alma Mater, puisque il y a un ensemble de monde qui est blessé et qui était dirigé dans l'hôpital là. Il y a des dispositions qui étaient prêtes par côté responsable de la santé publique département pour assurer que les gens recevront ce qu'ils ont nécessité. D'ailleurs, dans la cellule de crise qui était campée là, le ministère de la Santé publique et la population, il y a une place qui la donne, qu'un ensemble de monde qui était besoin de soins. Maintenant, comment ça a été, comment a organisé les soins, et les gens tout peut-être partager avec nous comment vous avez vu l'expérience ça dans le moment très le moment à passé dans niveau Gomone tout ça et plus encore à travers Image Sayo et Abi Kaseyus avec Pierre Duvigne Hippolyte t'es tourné pour nous vous dire. We've been here too long. I can't breathe, I can't take it slow. We're far away from home. But I can't wait to get you under my skin and right back to where we've been. Ooh, nah, nah. Give me a sign and tell me when to begin. Cause every time we leave I'm longing back. Back to the place where the lights go down. Just you and I leaving out the rest. Oh. So that's no motor, even falling well like I mean. If you let me even a coco, yeah. Et puis, bah, quand c'était moi, pour toi, t'as tout, et puis, même côté ma patte, et puis, pour toi, tout tombé, il tombait sous tête, moi. Elle voltigeait mon toit à l'autre bord, et puis, elle tombait sous sentiment, quoi. En bas, qu'on a rien. Il prend téléphone, moi, il prend pantalon, moi, tout comme moi. Oui, docteur, bon, me souviens, hier soir, quand il y a le docteur, il va venir sous moi, là, encore. La venue était, parce que moi, il avait le temps de mettre en l'autre sous moi, encore. On caille qui crase, c'est moi, oui. On était dans la cabane. On était dans le dormi. En même temps, deux soukous là, mais c'est premier. Tu as demandé tellement bien quoi ça. Tout ça qui a passé, je ne comprends pas, mais ça allait. Je ne comprends pas. Bon, je retourne. Un petit homme qui m'était dehors. Il ne pas mourir, il n'a pas mourir. Il fait moucher avec les gens qui m'étaient dehors. C'est comme une bonne histoire pour raconter. Depuis hier soir, aux environs de 8 heures, que toute équipe là, lui en branle, et ni la haute instance du ministère, en l'occurrence ministre, non, même, c'est presque chaque 30 minutes, lui en communication, c'est pas avec nous. Donc, depuis hier soir, nous avons gagné une trentaine de blessés. Nous avons gagné, sous gros monde, 8 qui étaient référés, 8 graves qui étaient référés sur l'hôpital de la Providence de Gonaïves. Et actuellement, donc, à cause que rivière a été en crue, donc, ils ont commencé à recevoir quelques cas de section communale qui a à peu près monté le nombre à 35-37. État d'urgence décrété sous le monde. Donc, c'est ça qui fait que, ouais, matin, là, et il y a un matériel encore qui a vini. Parce que tout ça qui était utilisé hier, il n'y a pas capable de. Et faut qu'il renfloue le stock yo, donc c'est ça que nous avons fait là. Actuellement là, une machine qui a porté matériel, qui a porté pour Boïsia, qui a pour aller dans le nord-ouest. Comme nous capable remarquer, on pourrait que gagner quelques salles qui sont affectées. Donc nous pas voulu dans mesure pour éviter que mon ambassade là pour plus traumatiser davantage. Donc ils ont choisi espace là. Donc plus ou moins nous allons garder à améliorer service là. C'est pour ça présentement la matière pour nous et comment nous sommes capables d'améliorer plus ou moins le service au niveau Alma Mater de Gomone.
Visite au Nagoma n'a pas de campé là. Après l'hôpital Alma Mater, nous t'es dirigé nous dans l'école Saint-Gabriel. Toujours dans l'idée pour nous regarder comment la réalité a été, qui s'est mieux fait et qui disposition de prendre, surtout pour Timoun qui fréquentait l'école Zara pour ne pas perdre du coup. Et là, pour le ministère de l'Éducation nationale, capable d'adopter des mesures rapides pour permettre que l'activité de l'école pour Timoun ça reprenne. On a avec Imagio comment ça y est dans le moment où nous t'es visité l'école Saint-Gabriel, toujours dans la commune Gromont. We've been here too long. I can't breathe, I can't take it slow. We're far away from home. But I can't wait to get you under my skin and right back to where we've been. Oh, nah, nah. Give me a sign and tell me when to begin. Cause every time we leave, I'm longing back. Back to the place where the lights go down. Just you and I leaving out the rest. Oh, so that I need is you in my bed. Give me a sign more than in your head. Lonely together at its best. Oh, let me know now. On s'y est de l'école en année 2005-2006. Et qu'on y a un responsable d'école là, au niveau 3e cycle. Donc c'est moi-même qui coordonne au niveau 3e cycle dans l'école là. Donc hier soir moi-même, mon partenaire là quoi, mais moi-même dans la radio. Et que... Alors l'école là, c'est l'école Saint-Gabriel de Gaumont. Okay? L'école Saint-Gabriel de Gaumont, justement, qui est dirigée par les petites sœurs de Sainte-Thérèse. Donc hier soir, l'événement moi-même dans la radio. Et que, bon, me font j'aime sortir, me frapper quand même, même pas trop victime passer ça. Et puis, je suis venu à l'école là, rapide vite, je suis venu à Mayo. Et puis, je suis venu à ce là, donc, j'ai constaté des gars là, l'école là, les mêmes qui crasent. Et nous avons un bâtiment, ça, son nouveau bâtiment quand même, qui était. Et classe, ça, crasé là, j'ai décidé de première année, qui est environ 48 élèves, je pense. Et puis, en l'air, nous avons un troisième cycle qui est en l'air. Donc, ça veut dire que si c'est dans le moment l'école, ça a passé, ou qui quantité de gars qui t'a gagné là. J'aime vivre vraiment, je vivre avec la peur, parce que je vivre 12 janvier pour au prince. Et puis, nous, en l'air, quand elle a daté de 126 ans, son ancienne maison. Et puis, l'aime prend tremblement de terre, mais c'est moi qui suis responsable de la maison. Moi, je dis, c'est eux, on nous courir. Mais pour nous sortir en l'air, pour nous arriver juste à marcher escalier, je dis, c'est difficile. Je dis, si pour nous courir, quand elle est capable de tomber avec moi, je prête sous galia parce que j'ai plus l'air. Si je prête sous galia, quand elle a tombé, je connais, je ne peux pas mourir. Je prête sous galia. Mais après ça, là, nous venons sentir les gens baisser, nous venons descendre en bas. Et puis, comme je parle là, je suis en pile d'émotion parce que je suis vivre le 12 janvier avec tout le monde, Rivière Froide, qui était mort. Et puis, je me dis, bon Dieu, regardez ce qu'on fait pour moi. Si tout le monde était là aujourd'hui, moi, je ne sais pas ce qu'on fait parce que je suis prêt à tout le monde à mourir. Et puis, c'est une classe, c'est une petite qui est là. Nous avons Kinder, nous avons première année, nous avons deuxième année. C'est eux qui ont mort, je ne sais pas ce qu'on fait parce que ça vraiment affaissé ma pile. Les mouets, j'ai une situation passée. Et. Ça me dévive déjà. Je demande à bon Dieu de ne pas vivre. Tremblement de terre encore. Mais ça a dépassé, mais ce n'est pas mes têtes là. Et puis bon Dieu grand tout. Bon Dieu grand. Parce qu'il ne fait pas de bonnes écoles juste. We've been here too long. I can't breathe, I can't take it slow. We're far away from home. But I can't wait to get you under my skin and right back to it. Situation difficile pour l'école Saint-Gabriel, je ne là là, pas de moyens pour Timounio, continuer sur le coup dans l'espace ça. D'ailleurs, il y a besoin de démolir hein, et totalement, et pour permettre que, bon, à la longue, il est capable de reconstruire l'école là, mais quand même, il faut que Timounio continue, il faut qu'il soit capable de suivre le coup là, et on souhaite pas gagner trop de temps qui prend pour le ministère de l'Éducation nationale, en tête collée avec Sœur Saint-Thérèse, pour regarder qui espace, qui pral et permettre que Timoun Sayo capable de suivre cours en bonne et due forme et pour ne pas rater l'année académique 2018-2019. Là, là je dis à Goumon, vraiment, les gars paraissent considérables, que ce soit au niveau et Kayo, mais tout par rapport à monde qui est blessé, par rapport à monde qui a perdu la vie. Et ce n'est pas seulement Saint-Gabriel comme institution scolaire qui est victime, mais nous sommes capables de citer le lycée Jacques Roumain. Réalité n'est pas trop différent. Et là, et n'apprétend bien sûr intervention ministère de l'Éducation nationale sous Kassayo, mais bien avant, image je pral permettre nous comprendre comment ça y est pour lycée Jacques Roumain. We've
God, I can't wait to get you under my skin and right back to where we've been. Ooh, nah, nah. Give me a sign and tell me when to begin. Cause every time we leave, I'm longing back, back to the place where the lights go down. Just you and I leaving out the rest. Oh, so that I need is you in my bed. Give me a sign more than in your head. Till I saw and I met your eyes. That's why I'm moving close to be here and to get. Voilà pour l'image lycée Jacques Roumain de Grosmont qui n'a même Jacques l'école Saint-Gabriel. Bâtiment vraiment paraît très difficile pour permettre que Timounio continue suivre cours. Et je vais souligner le ministère de l'Éducation nationale, par exemple, pour vous dire. Nous avons d'ailleurs à ce moment-là dans le cadre de l'émission, le président de la République, Jovenel Moïse, dans l'intervention de faire pour de paix, déjà, il dit qu'il y a une instruction qui passait pour que le ministère de l'Éducation nationale rapidement prenne disposition pour Timoun qui a suivi cours. Dans la ville Port-de-Paix et gagner tout Saint-Louis du Nord et dans le Nord, nous pour Pilate et Boy et là nous sommes pour Grosmont, l'école Saint-Gabriel, l'école lycée Jacques Roumain de Grosmont. Il faut qu'il y ait des mesures rapidement qui adoptées pour que Timounio pas capable, pas raté, n'est-ce pas vrai, à Néo pour continuer avant longtemps. Et déjà, le président avait dit dès demain pour que l'activité de l'école soit reprise. De toute manière, après tant d'intervention ministérielle et qui ça le prend en termes de mesures, qui ça va adopter en termes de disposition. Dans ce sens-là, là, après des films visités pour le père, chef l'État, Jovenel Moïse, chef gouvernement Jean-Yves Séan, ont été pris en direction Grosmont, puisque nous connaissons les Jean-Noël Souimajo. Après commune Port-de-Paix, Grosmont, c'est une commune qui touchait en pile. Et là, avec député circonscription Fritz Chéri et l'autre autorité dans la zone, président Jovenel Moïse, premier ministre Jean-Yves Séan, il a fourni, j'ai gardé, qui j'ai en réalité aillé, fait une idée de qui ça dégaille, qui ça dégaille, fait, qui ça tremblement de terre a fait dans le niveau Grosmont. Et à partir de là, pour être capable de prendre disposition que ça m'a dit pour accompagner les gens qui victimes. Là, on a visité plusieurs zones, plusieurs rues dans la villa, on est allé à l'hôpital, on a rencontré en pile la victime et on parle avec l'autorité dans la protection civile zone qui a présenté le bilan situation, bilan réalité et ta réalité. Et à partir de là, il y a des dispositions, des mesures qui annoncées pour arriver porter secours by les gens qui victimes, porter secours by la villa, villa vraiment qui prend gros frappe suite à passage tremblement de terre 6 octobre 2018. Là, mais déjà, le président souligne li, et si gagné à niveau international, il y a des actions qui le fait, et en fait, sous leadership, autorité dans le gouvernement, c'est autorité dans le gouvernement qui a défini qui sa priorité, qui sa besoin, et c'est en fonction de ça, et bien, intervention qui a fait pour éviter duplication. Jean, président de la République, là, souligne li, après-midi, dans le cadre d'une conférence pour la presse, que nous avons pour nous suivre. Tout à l'heure dans le cadre d'émission ça. Mais là, nous allons aller dans Kounan, et puisque là, il y a gagné le président Jovenel Moïse et plusieurs autres autorités qui ont visité après-midi, hein, disons dimanche 7 octobre-là, centre opération urgence nationale qui est trouvé dans Delma 2. C'était occasion pour que l'équipe Kounan présente à chef l'État, chef gouvernement et l'autre autorité qui était là, yo, comment réalité département qui touchait yo yé. Après 6 octobre là, pour ensemble de communes, pour ensemble de villes, pour ensemble de sections qui touchaient. Et là, et c'était occasion pour que tu aies présenté. Voilà, sur l'écran, c'est responsable de protection civile là, docteur Jerry Chandler, voilà, qui accueillit le président républicain Jovenel Moïse et responsable du ministère intérieur, directeur général là notamment. Et là, non niveau coup de note, après une séance de travail avec chef l'État, présenté tableau dégâts
hein, et séisme ça la cause. Pabillé, c'est surtout le Grand Nord qui touchait et trois départements qui touchaient suite à passage à séisme ça, c'est le département du Nord, le département du Nord-Ouest et le département de l'Artibonite. Et c'était occasion pour que la responsable de la protection civile là parle avec le chef d'État, parle avec le chef gouvernement, ce qui ça a déjà gagné comme données, ce qui ça a déjà gagné comme éléments d'information sur tout ça qui passait après passage à l'école qui touchait, bâtiment qui touchait, quand c'était mon jeudi à là qui parlait de caille priorité et caille qui vraiment endommagé, bâtiment public qui t'a mérité pour passer les fêtes là-dedans. Vraiment, c'était tout ça qui était namitant, discussion ça, échange qui était gagné entre responsable protection civile et président république, la Jovenel Moïse, à promis Jean-Ricien, parce que de toute manière, c'est à partir de données, c'est à partir de faits sérieux pour que des décisions appropriées, capables de prendre des solutions appropriées, capables de porter pour que Frère Axon, qui a pu connaître, je dis à la, une réalité difficile, capable rapidement de sortir dans la réalité ça et reprendre, pourquoi pas, et la vie normale à Jean Satéye avant 6 octobre 2018. Là c'est dans Kounan. Centre opération urgence nationale et chance à yo ta fête là. N'a pas refermé programme ça avec conférence, enfin 10 points de presse, président Jovenel Moïse Baye, un aéroport international Toussaint Louverture dimanche 7 octobre là. Après elle t'a fini visiter Port-de-Paix, après elle t'a fini visiter Gaumont. Là, il fait lui une idée de qui ça dégaille après passage tremblement de terre là. Et c'était occasion pour te attirer attention et ensemble d'acteurs qui gagne pour intervenir sous nécessité pour que c'est ça les autorités indexé comme priorité, c'est sous ça action yo doit aller pour que effectivement moun ki victime yo capable toucher. Mais à côté ça tout famille, la solidarité dans cas ça c'est le maître mot, on connaît gens haïtien et solidaire, là encore c'est important pour que une pote coller by l'autre, une by l'autre support pour que nous capable de passer cap difficile ça, surtout zone, hein, surtout monde qui dans zone qui très touché. On a parlé de Gaumont, on a parlé de Port-de-Paix, on a parlé de Pilate et on a parlé de Boy et quelques autres zones, trois départements qui touchés, l'Artibonite, Nord-Ouest et puis Nord. Nous allons suivre Kounia, intervention, président républicain, Jovenel Moïse, dans le cadre de ça, quel débat, après-midi, dimanche 7 octobre, là, dans le salon diplomatique, aéroport international Toussaint Louverture. Mais à noter que, au niveau de la télévision nationale d'Haïti, nous avons toujours été mobilisés, n'importe qui l'est capable de prendre antenne. Jean Tefel, bien bon matin, enfin, nous dit depuis minuit, TNH était déjà là, Radio Nationale, bon côté pas, tu as gagné des éditions spéciales pour tes population informée, nous pas campé. D'ailleurs, pendant toute journée dimanche, image pas suspendre défilé, sensibiliser Mounio, faire Mounio connaître qui sa réalité aille, de telle sorte que l'autorité est capable de prendre bonne décision pour porter secours. Bah, Mounio qui victime. D'ailleurs, opération secours est déjà lancée et dès demain, il y a un Premier ministre Jean-Henri Séan qui prend le pari pour le rencontrer, partenaire technique et financier. On allait pour intervention, président République, Jovenel Moïse. Après-midi dimanche là, dans l'aéroport international Toussaint Louverture. Merci. Encore avec même satisfaction, je parle avec le peuple haïtien. Et nous connaissons, pour nous parler avec le peuple là, c'est médium, là, c'est presse là. Je salue presse parlée, écrite avec télévisé. Journalistes qui sont ensemble avec nous là. Et je profite dans ce moment ça pour me voir sympathie pour. Journaliste, je voulais parler de correspondance groupe FM dans Gonaïve, qui est même dans le moment où nous avons un point de presse dans Gaumont et puis une réplique de 5.2, c'est ça, qui est une situation de panique. Et journaliste, je crois que les gens ont fracture dans la gauche, je crois. Je voyais toute sympathie à Radio et Télévision Scoop FM et journaliste en tout. M'a dit que hier, de 8h11, le tremblement de terre a fini de passer, jusqu'au moment où on a parlé à là, tout responsable de l'État, à pied d'œuvre.
Je parle avec le premier ministre qui était dans la retraite gouvernementale. D'ailleurs, le ministre qui l'a, il était dans la retraite là avec lui. Depuis 8h et quart, nous avons communiqué pour avoir une réponse qui était portée. D'ailleurs, on ne pas tonne. C'est le lendemain, en parlant de matin, il y a des réponses qui étaient portées sur le département. Il faut nous dire que le comité national de gestion de risque et désastre, qui sont comités permanents, qui est là dans le premier ministre, ça veut dire que c'est le premier ministre qui est chef, et le ministre des Travaux publics, le ministre de la Santé publique, le ministre de la Planification, le ministre de la Défense, et puis avec Croix-Rouge haïtienne. Comité ça a activé comme dit depuis hier soir. Et ministre de la Santé publique là, qui lui-même, rapport que nous avons, il a gagné un travail pour une ambulance aller dans le nord-ouest. Et non seulement nous voulons parler de l'ambulance qui a gagné dans le département. Il y a une ambulance qui sortit tout dans le département parti bonite. C'est ça qui te permet évacuation blessé ou te fait rapidement dans la ville Port-de-Paix pour aller dans l'hôpital qui est là pour sembler parler de l'hôpital Beraka que je remercie responsable et puis l'autre centre hospitalier qui est mis en ville pour Port de Paix que ma première responsable tout et l'hôpital Immaculé Conception qui était servi et l'hôpital autrichien que je connais dans Saint-Louis du Nord qui était travaillé tout pour te bailler gros coup de main dans ça qui était passé hier soir. Ministre Travaux publics. D'ailleurs, nous, ça a passé sur les réseaux sociaux depuis 3h20 du matin. Il y a un local qui était un petit monde qui était emballé. C'est un centre culturel qui est dans le monde. Équipement de travaux publics qui est arrivé sur place. Qui est sorti dans le département Atibonite. Ça veut dire, je vais parler de direction départementale Atibonite. Parce que vous avez une ville dans le département Atibonite, mais qui n'est pas équipé d'engins lourds. Engin lourd est arrivé. La nuit là, et pour arriver midi, moi crois que nécessaire de en fait tout décompte débris que tu as dans le centre, il a été évacué. Et moi-même, pendant le passage, je suis campé sur ce site là même, un site que travaux publics qui en dedans comité national de gestion risque avec des assassins. Premier ministre a été en bas instruction ni, et travail yo, yo te fait. Cadavre la livre, li nan mog, et m'profite vous sympathie m'bay. Non seulement par un victime que m'de visite Port de Paix, par un victime que m'de visite Gomon yo, mais profite vous sympathie m'bay toute victime en général de catastrophe naturelle, ça, tremblement de terre. 5.8 ça qui passait dans le pays hein, hier soir. Et faut nous dire tout, à part le comité national de gestion des risques et désastres, nous gagnons direction protection civile. Parce que faut ne pas oublier, comité national de gestion des risques avec désastres, c'est là que tout travail stratégique en fait, mais travail opérationnel, c'est dans le niveau direction protection civile. C'est pour ça que nous gagnons le docteur Chandler qui est ensemble avec nous là. C'est lui-même qui est responsable de protection civile. Lui-même est là pour le prendre directive dans le comité national gestion risque avec désastre. Ministre des Affaires sociales là, qui lui-même à pied d'œuvre, à travers FAES, mettait toute qualité. Ça que nous avons bien besoin en matière de la manger, nous comptons ça. C'est un gros problème parce que l'on va comme ça fin passer. Nous avons aux abois. Je connais qu'à travers FAES, il y a une cuisine mobile qui est activée dans le nord-ouest. Il y a un pile ratio alimentaire qui partit tout calé en un département. Ministère de la Défense,
y a un premier contingent qui parti avec des militaires qui allaient pour aller porter concours et un deuxième qui est en route, nous avons arrivé déjà, deuxième dans la route. Et au niveau ministère de planification, il y a un pile de travail qui a fait pour que demain, le premier ministre pour le faire rencontre que le pour le faire avec nos partenaires financiers, techniques et ONGO pour que planification vienne en mesure pour dire que mais qui côté nous y est, mais qui ça qui arrivait déjà, mais qui intervention que l'État a fait et nous-mêmes si besoin a gagné, mais qui besoin que n'a gagné n'a identifié. Et ça est très important, ministre planification, moi qu'on est depuis matin, il y a à pied d'œuvre pour collecter information pour le capable de mettre un bon document demain devant le Premier ministre hein, pour permettre que le travail planification soit fait. Croix ou haïtienne, moi qu'on est dans pile d'efforts qui fait, moi j'ai information, il y a plusieurs pochettes sans qui allaient dans le nord-ouest. Plus précisément dans la ville, pour Port-de-Paix, nous voulons parler de 17 pochettes qui allaient. Et nous profiter de l'occasion pour nous dire tout le monde, tout donneur volontaire, pas oublier que le sang sorti dans la Croix-Rouge, les al sauvons frère, les al sauvons soeur. S'il n'est pas remplacé, le sang à l'autre frère et l'autre soeur, il n'est pas capable de joindre possibilité pour joindre. Sans ça, parce que nous connaissons, c'est la vie. Et à part de direction protection civile là, qui lui-même, qui coiffe Koun, nous voulons parler de centre d'opération d'urgence nationale là, qui n'est pas au prince, et nous avons des coudes à travers les 9 autres départements du pays. Koudio, c'est centre d'opération d'urgence départementale. Nous sortons dans le nord-ouest, là, plus précisément dans la ville Port-de-Paix. Nous sommes visiter le centre d'opération d'urgence départementale. Nous voyons que monsieur et dame sont très actifs. D'ailleurs, c'est eux qui sont à pied d'œuvre sur le département. Hein. Et de Koudio, nous gagnons le dernier centre d'opération d'urgence. Ça, c'est Kouklan qui est centre d'opération d'urgence communale. Là. Que nous connaissons même c'est à travers Mirio et Port-de-Paix, nous avons eu la chance de rencontrer avec mairie de Port-de-Paix, Goumon, nous avons eu la chance de rencontrer avec mairie de Goumon, et c'est pour ça que je demande au Premier ministre pour travail de coordination qui est par le fait là, pour que Koukyo soit très impliqué dans le travail de coordination ça, pour le résultat que nous avons cherché, parce que l'État sont seul lié pour nous capables bien un résultat. Côté peuple là, j'en ai toujours dit, nous là pour mettre l'État au service peuple là, pour réellement pour l'État ça, pour peuple là qui a un service ici en temps réel. Pour me finir, je profite de l'occasion pour me dire tout le monde, gardez calme, suivez consigne. Toute consigne que direction protection civile, je connais qui a activé, il y a des messages qui a passé sur les réseaux sociaux. Il y a un message qui a passé par compagnie de téléphonie mobile qui est dans le pays. Dans le département nord-ouest, département nord, département nord-est et dans le haut, à Tibonite, dans tout. Je dis tout le monde dans la zone. Là, nous avons un problème, nous sommes si c'est dans la commune ou dans la section communale ou après à Kazakhla, pour Kazakhla à ce moment-là, pour lui, ou à magistrat. Qui est même celui qui chef opération Koukla, centre d'opération d'urgence communale. Sous nos communes ou nos villes, ou après à Mérien, le SAA Mérien lui-même pour le contacter Koudla, qui est centre d'opération d'urgence départementale. Et en temps réel, avec communication, ça que communication est aujourd'hui, hein, par exemple WhatsApp et l'autre forme de communication. Direction protection civile a bien été au courant et le SAA pour nous agir en temps réel. Parce que moi, je connais direction protection civile a fait pile effort pour qu'à travers 10 départements pays, non seulement nous ayons des ressources humaines, mais nous ayons des ressources matérielles qui permettent que nous intervenions en temps réel pour
pour que les gens qui dans quatre départements, c'est aujourd'hui, aient bien plusieurs répliques que nous avons bien pour nous sentir. Mais ce n'est pas ça qui peut faire pour nous prendre en panique. Pour les gens qui ont en fait dans le pays, là, moi je connais une quarantaine de gens qui ont été blessés, qui sont l'hôpital. Je demande à nous pour nous calmer, calme nous, parce que le tremblement de terre là, sont catastrophes naturelles que liées. L'État au plus haut niveau est avec nous. Nous-mêmes, à ce moment-là, c'est pour nous calmer, calme nous, pour nous capables de gérer le moment difficile ça, ensemble. Et je profite à tous les partenaires techniques et financiers nous, que le Premier ministre, là, sous instruction par moi, demain, il vient pour rencontrer tout le monde pour que la planification soit bien faite. Pour pas gain cacophonie, pour pas gain duplication dans intervention qui gain qui pour faite dans zone qui est affectée. Pour que intervention soit faite pour bien coordonner, pour que c'est protection civile qui lui-même gain en charge à travers Koun, Koud et Kouk qui gain à travers pays. Pour nous dire parce que pays c'est pour nous dire aujourd'hui nous gagnons pour l'État que nous avons goûté pour nous mettre au service du peuple. Seul gens pour nous renforcer, c'est le tout ça qu'a fait l'État lui-même, il prend responsabilité et il est au courant pour arriver à jouer le peuple réellement. Je demande à tout le monde qui veut aider, tout le monde, tout philanthrope qui veut aider, si nous n'avons pas arrivé dans le niveau du comité national, là, mais dans le niveau direction protection civile, que je vais demander protection civile rapidement pour le cap mettons en ligne côté tout le monde qui veut aider, tout le monde qui veut bah une suggestion rapidement dans niveau protection civile nous capable contacter yo et moi que PM nan pour le travail tout pour que en ligne direct comité national là il y a des monde qui besoin contacter pour qu'a contacter directement pour que tout ça qu'on fait à travers pays c'est l'État qui gère qui coordonne. Merci un peu.